coucou la meute, coucou les chatons. Coucou les chatons, coucou la meute, j'ai oublié de remettre ton avatar. Bah bravo, on m'oublie. Regardez, regardez, elle va apparaître, pouf. Elle apparaît pas, c'est bon. Comment j'ai apparu. Comment ça va, tu vas? Ça va. Et toi, ça va? Ça va, j'ai eu un mal de crâne toute la journée, là, ça a l'air d'aller un peu mieux. C'est déjà ça. J'étais irritable. Mais ça va. Par contre, non, j'ai une terrible Madame. Nouvelle. Il n'y avait plus de monster. Et du coup, je bois, je suis obligé de boire du iced tea. J'aime bien le iced tea aussi, mais ça me manque là. Là, tu vois, c'est un peu comme de la drogue. Je tremble. Bon, alors, nouveauté un petit peu. Je teste, c'est un stream test pour les expressions automatiques. C'est en version simple. Donc, normalement, il y a les expressions automatiques de joie, de colère et de surprise. Là, voilà, t'as les yeux bien fermés. Ah, c'est bon. Celle de surprise fonctionne pas forcément beaucoup, mais joie et colère, normalement, ça devrait marcher. Normalement, et l'air en colère? T'as juste la bouche ouverte. Et je suis en colère. Alors, attendez, colère. Voilà. Ah. Et puis, sinon, sourire. Il ne se passe rien. Ah bon? Non, t'as juste les yeux ouverts, tu regardes la caméra. Bon, bah c'est... Écoutez, bref, c'est un test comme un autre, j'avais dit. Ah, mon chien aux couilles roses. Magnifique. Le bébé. Ah oui, notre Popole. Enfant. Popole. On l'a appelé Popole. Je te câline, Popole. Oh. Un peu d'amour avant que... J'aime bien caresser mon Popole. Hein. Quel enfant. Voilà. Pour l'instant, il est toujours blanc. Est-ce qu'il va devenir noir d'un coup sans raison comme d'être fou? Écoutez, il est possible. En fait, c'est son. Non, j'allais dire un truc, mais ça peut être très mal interprété. Dans le contexte là, non. On voulait déposer notre. Non, on voulait continuer d'investir, non? Qu'est-ce qu'on voulait faire? Là, elle est là, à la gauche. Notre enfant. Je peux pas interagir avec elle. Moi non plus, mais c'est bugué. De toute façon, elle est buguée. Ça, ah, bref. Non mais je m'en fous de la nounou. Ah, ta gueule. Tu vois, on l'aime pas. Tu vas mourir non, bientôt, alors. T'es vieux. Nous avons un peu d'argent de côté. De mémoire, où est-ce que... Je fais la map comme ça, je peux pas te voir. Ah non, c'est map. Vrai. Les vieux quartiers... Ah oui, c'est vrai, pardon. Elle est belle la table, mais bon. Alors, donc, les vieux quartiers, il faut attendre qu'on les ait réparés manuellement. Ah oui, de mémoire, ça va être quand ils vont nous le proposer. On a des décisions à prendre, et ce qui paraît, c'est sur une journée entière pour l'instant, tout ce qu'on a fait. Ça va peut-être le faire un jour. On est vraiment très efficace, vous savez, mais... Alors attendez, la dette. Lui, c'est un truc de méchant à faire, donc je vais pas le faire. Lui, oh. Ça coûte 42 000. On a assez, là. Bah, je l'ai mais pas on déjà l'a déjà. Acheté, ah oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. Mais des fois, je vois pas les... drapeaux. Ça s'achète pas, ok. Là, ah, 260. On a 805. J'achète. On a combien? 800 000 800 000 et quelques, ouais, on est bien là. On devrait pouvoir avoir tout ce qui nous manque, je pense. Là. Ça. De toute façon, les trucs les plus chers, c'est à 1000 fils. Donc, 1000 fits 1000. Bref. 1000 fits C'est à 1000 fits. Toi aussi, je t'achète. Voilà. Le compte obèse. Incroyable. Là. Hein? Ah non, barman. Au lieu de barman, j'ai lu Batman. Un Batman. Le bar de Batman. Il y a beaucoup de maisons qui sont en mauvais état. Enfin, ah. Quelques maisons qui sont en mauvais état. Ouais, je peux aller réparer. Passer plus de temps à faire l'empire immobilier qu'à faire le héros, enfin. C'est ça. En fait, faire le héros, c'est juste l'intro du jeu. Je viens de découvrir un truc. Tu peux acheter les bâtons? Non. Ah, parce que je suis arrêté. Tu peux acheter les bâtons. L'eau, l'océan, mais la mer. Elle est à moi, la mer. Ah, la planète, cette montagne. Vous voyez cette montagne? C'est ma montagne, ça. On l'a... Mais si, attends. On a regardé tous les attends, j'ai un problème. Je me souviens plus. Ok, c'est bon. Est-ce que j'ai des drops sur mon stream? Je regarde, tu vois. Oula, en tout cas, je me vois freeze pour l'instant. Ok, quand je suis sur le jeu, ça bug. Qu'est-ce qui me fait là? Dès que je me mets sur Fable 3, mon Streamlabs, il est en PLS.
Il y a eu un coup de régène, mais... Ah oui, du coup. Pourquoi ça me fait Et... ça? Je sais pas. Ah, là, c'est bon, je crois que je suis à nouveau fluide. Là, c'est parce que je suis pas sur le jeu. Ah. Peut-être, je sais pas, mais le en processus... Non, mais tu l'as déjà en processus Déjà en avancé. processus avance. Qu'est-ce qui se passe? Ou Streamlabs, vérifie si c'est Streamlabs qui... Parce que c'est pas le jeu en Ah, lui-même comment qui on te fait voit les ça? Je machines. sais plus. Dans les paramètres Streamlabs, normalement, tu as l'option pour remettre Voilà. en processus le processus en avant. C'est bizarre que ça te le fasse d'un coup, par contre. Donc oui, Stream. pendant que tu fais ça, je viens de découvrir qu'il y a une touche qui s'appelle tout réparer. Oh, c'est trop bien ça. Et moi qui allais tout faire manuellement. Bon, par contre, il faut le faire, c'est par... Pas processus O, donc il n'y a pas de problème. Ah, bah je sais pas, alors Ah, c'est c'est bon. bizarre. Là, c'est bon. Je comprends. Ah non, Je c'est pas sais bon. pas. Non, ça bug. Qu'est-ce qui se passe? Bon, tu sais, pendant que tu cherches la solution, je vais réparer tout ce que je peux. Mais j'ai pas de solution. Je sais pas, oui, je me doute, mais... Tant Ah, pis. tu l'as mis en pause, le jeu. Ah, c'est bon. Ouais, mais là ça rebug du coup dès que je reviens sur le jeu. Et si... Ça, Non, je les cherche. non, ça bug. Bah, à part un problème de processus, je vois pas Mais d'où je vois ça pas pourrait comment... venir. Et le processus du jeu, comment je modifie ça? Il faut que tu ailles dans le truc des tâches. Barre des tâches. Gestionnaire des tâches. Mais Pas, oui, non, pas pas la barre barre des des tâches. tâches, oui, je suis con moi. Gestionnaire des Gestionnaire des tâches. tâches. Et normalement, une fois que tu es dedans, tu peux gérer Valeur la... de ressources? Non, non pas du tout. Non, quand tu vas dans les Propriété? détails, détails, clic droit et... Ah, on peut acheter ça? Ah, on peut acheter ça? Ok, j'achète. Non, j'étais dedans. Accéder au détail. Oula. Et tu sélectionnes ton truc et tu le mets en priorité, en plus haute priorité si possible. Ah, d'accord. Oui, mais alors c'est Streamlabs qu'il faut que je mette pas seul. Oui, parce que Streamlabs. c'est pas le jeu qui lag, c'est le stream, donc. Streamlabs.exe, il y en a tellement d'ouverts. Non, mais c'est normal, mais il faut que tu prennes celui qui est le plus. Priorité. Bah, haute, du coup. Hop. D'ici la priorité. Maintenant, si je fais ça. Merde, j'ai mis acheter habiter, j'ai pas mis Ah! acheter louer. Ça bug toujours. Ça va que toujours? Ouais, il y a toujours du lag. C'est quand même bizarre que avant ça te le faisait pas et maintenant ça te fait ça quoi. Bah plutôt oui. Attends, je me demande si c'est juste parce que je suis dans la map. Genre quand on est comme ça va ou pas? Attends, À j'essaye. vous ordre. Ah! Hey, Oh monsieur, putain, je crois que c'est vous avez ça. vu de nouvelles aventures? Donc c'est la map qui te fait bugger en fait. Et vas-y, va sur la map maintenant. Et je vais sur la map maintenant. Ah ouais, c'est la map. Oh, c'est trop bizarre. D'accord, donc la map te fait laguer. Bah c'est bon à savoir. La Ok. map me fait lag. Bah au pire quand tu regarderas pas la map au pire. Oui, au pire. Ou on garde la masse, c'est pas grave, s'il y a du lag, c'est juste le temps 2. Bah s'il y a au moins le son, est-ce que... Je sais pas, attends. Est-ce que le son lag? Attends, j'écoute ton stream. La 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 Là, c'est que l'image. Ok, c'est que l'image, j'entends bien Donc ça. on a le son, très bien. Bon, désolé quand on sera sur la map, du coup les chatons. Me demandez pas pourquoi. Au pire, c'est pas bien grave, vous ne ratez En plus, je comprends pas pas pourquoi ça me fait ça grand-chose. ça te le fait pas, toi. Bah non, moi c'est clean, c'est net. C'est Bizarre. Peut-être parce que t'es l'autre, j'en sais rien. pas possible. Non, je veux M'étonnerait que pas. ce soit à cause de mon PC, vu le prix que j'ai acheté. Non, non, mais c'est pas le PC. C'est juste l'optimisation de l'application en elle-même qui est nul à chier, on va pas se mentir. Bah, Fable 3 est vieux en même temps. C'est vrai qu'on n'a Est-ce que pas t'es non hype plus par pris. Fable 4? En vrai, oui, j'en attends beaucoup parce que quand même, mine de rien,
c'est un truc assez cher à mon cœur, tu vois. Mais je me dis, après, si c'est pas exactement comme c'était dans les autres Fables, c'est pas bien grave, tu vois. Tant que ça respecte un petit peu le... On va dire l'essence même de Fable, quand même, tu vois. Le côté un petit peu what the fuck, marrant, qui se prend pas la tête, etc. T'es juste le héros, et puis basta, tu vois. S'il y a une version coop, par contre, qu'elle soit bien, aussi bien que celle-ci, voire mieux, voilà. Mais ouais, en vrai, j'en attends quand même quelque chose, tu vois. Je me dépêche. T'inquiète. C'est histoire vraiment qu'on gagne le plus vite possible tout le fric qui nous manque pour. En fait, la coop là de Fable 3, comme elle est là, c'est un peu aussi la coop à la Ubisoft, en quelque sorte. À différence que la coop Ubisoft, c'est toujours comme ça, encore jusqu'en 2024. Et là, pour moi, c'est un problème. Alors que Fable 3, c'est un vieux jeu, je peux difficilement lui en vouloir, quoi. Et encore, on a moins de bugs ici, je trouve. En plus, oui. On a moins de bugs sur Fable 3. Moins de bugs et on peut partager beaucoup plus de trucs. Bon, il n'y a pas l'avancement, mais non, t'as d'autres trucs à côté qui font quand même que tu gardes des trucs sympas, tu vois. Y a rien, j'ai plus rien à acheter ici, je crois. T'inquiète pas, Shiva, on va finir Far Cry 6. On va y arriver. Mais oui. Moi, je dis, là, samedi, c'est fini. J'irai doucement. J'irai doucement avec ce que vous dites là, ça fait peur. Bon, c'est dangereux ce que vous dites. Niveau quête, attendez, niveau quête, c'est quoi liste des quêtes, c'est plus simple. Niveau quête, il nous manque plus que ça, on a déjà fait. Ça, bon, bat les couilles en vrai. Oui, parce que je vais pas vous mentir, j'aime énormément jouer à Fable 3, etc. Mais le fait est de vouloir le faire à 100% en stream, du moins. Ça n'a pas grand intérêt de vous le montrer, oui, en fin de compte. Ouais. Ça va être plus chiant qu'autre chose parce qu'il y a beaucoup de farms et de devoir refaire d'autres parties, etc. Donc on fera ça de notre côté et puis voilà. On va déjà faire ne serait-ce que... Bah, en fait, là, on va pouvoir avancer dans la quête principale. Là, nice. Enfin. Et au final, on n'aura même pas eu besoin de se... Enfin, là, il faudra juste... Non, reste sur les marches, tu voles. Tu voles, arrête de voler. On en a déjà parlé. Non, je crois qu'on l'a bugué du cul. Oh oui, le petit chien, oui. Ouais, c'est moi. C'est... Ouais. Allez. On va avancer un peu la quête principale, comme ça, ça laisse le temps à l'argent de rentrer. Je pourrais terminer d'acheter tous les trucs à 1000 piles. Arrêtez de parler en même temps, ta gueule. Aujourd'hui, tu vas décider. Mais ta gueule. Il continue de causer. Le site de la bataille pour l'Albion. On répare tout. Tu vas faire une proposition. Bon, en vrai, c'est pas grave si on n'a pas, comme dire, remis de l'argent pour l'instant. On peut être dans du moins 3 milliards, c'est pas trop grave. Vous pouvez parler, Votre Majesté. On va renflouer très rapidement. Notre victoire a eu des répercussions graves sur la ville. Vous avez essayé de combattre la pauvreté, mais vos actions ont empiré les choses. Vous devez réagir au plus vite. J'attends qu'ils aient quand même fini leur plaidoyer. Ouais. Le vieux quartier. Et faire en sorte de reloger ces anciens résidents. Mais oui, puis je vais leur louer leur propre baraque. T'inquiète. Un message au peuple. Ils ont peur, Votre Majesté. Faites-leur savoir qu'ils peuvent. Vous pouvez compter sur nous. Le cri de la vie va augmenter. Le quartier a peut-être été dévasté par votre superbe et glorieuse victoire, mais pourquoi le reconstruire? Après tout, comme son nom l'indique, il était vieux. Pensez, Votre Majesté, que le coût d'une telle reconstruction constituerait un gaspillage d'argent. Oh, le sac. Puis, les qui osent considérer quand il pique, quand il parle d'argent, ils seront mieux sans lui. De plus, tout cela est une affaire de priorité, Votre Majesté. Il y a certainement des choses plus importantes que de construire des maisons pour des bons à rien. Je vous recommande. C'est de mon peuple que tu parles là-haut. Il n'y a que moi qui ai le droit de les insulter. Laissez l'argent. Ce sont nos actions qui ont causé tous ces dégâts, ma reine. Mais la décision finale t'appartient. En effet. Eh bien, je reconstruis le vieux quartier parce que je... On a bien détruit le vieux J'ai quartier. Besoin de faire un trou encore Alors, plus énorme dans mon truc. La reine a pris sa décision. Le vieux voilà. quartier sera reconstruit. Et ses anciens résidents récupéreront leur maison. Merci, Votre Majesté. Cette mesure sera très appréciée.
Oh, j'imagine qu'il y a quelque chose à prouver en rénovant une partie de la ville. Ça prouverait que nous n'avons pas perdu notre sens de l'industrie. Qui s'y souhaite-t-il, Majesté? Yes. Malgré l'atmosphère de terreur qui règne partout et la crise qui frappe durement le royaume, les industries River s'assurent à nouveau du bien-être des honnêtes habitants. Regardez comme elle est belle, la vue affligeante du vieux quartier ravagé par la guerre n'a plus lieu d'être. Nous sommes aujourd'hui fiers de vous présenter le nouveau vieux quartier. Le nouveau vieux quartier. Oh, oula, oula, la caméra. C'est un crève-cœur de voir la trésorerie à sec. Si on ne réagit mais t'inquiète pas, on va tous mourir. La trésorerie va être énorme après. Plutôt drastique. En fait, il se trouve que le premier point à l'ordre du jour a un rapport avec notre situation financière. Il est temps de décider quel sera le budget annuel consacré aux gardes de la ville. Mais je vais les augmenter. Imaginer, les gens se à de la plus ils sont riches, mieux ils font leur travail. Ils vont dire qu'ils sont. Que votre frère n'acceptait d'en payer. Vous avez trois choix, votre majesté. Le premier choix est de ne pas toucher au budget. Après tout, les gens ont pris l'habitude de vivre avec le crime, le vol et la contrebande. Le deuxième choix consiste à augmenter le budget et remplir les villes de soldats maintenant la paix. Une solution assez coûteuse, je dois dire. Ou sinon, il y a le troisième choix, celui qui consiste à avoir une approche plus réfléchie en diminuant le budget. Car à quoi sert un royaume sûr et bien surveillé lorsqu'il est trop pauvre pour se protéger lui-même d'un anéantissement certain? Mais je vais décider, vous inquiétez pas. Augmenter. Les gens seront ravis, votre majesté. Oui. Mais la question qui s'impose est... Est-ce qu'ils vous remercieront une fois qu'ils seront morts? Je ne le crois pas. Mais oui, on fera une grande fête avec les deux autres cons, là, avec leur livre. Mais ça ne va pas arriver, rassurez-vous. Bref, ça laissera un trou conséquent dans la trésorerie. À moins que vous ne puissiez couvrir les dépenses de votre propre poche, je crains que nous ne traversions une très mauvaise passe. Portons maintenant notre attention sur le reste des affaires du jour. Voici le programme royal que j'ai préparé pour vous. Alors, décidez de la décoration du château, décidez du statut d'Aurora, lancez-vous dans un périple d'aventure et d'exploration. Ah, oh, merveilleux. Nice. Eh ben, c'est quand qu'on massacre des gens? Pourquoi j'ai pas mon marteau dans mon dos? Ah oui, c'est vrai, c'est un peu bouteille. J'ai pas d'armes dans la salle du trésor. Très bien. Très bien, on ira les voir. Qu'est-ce que... Oula, c'est buggé! Oula! J'ai pas... J'y vais. Oh là. Attends, attends. Ah là, il a réapparu. Ah okay. Bon. Ah. Tout était prévu. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites pas, c'est le roi qui devient un peu taré. Merde, non, je voulais pas... Si, vite fait, voir combien d'argent on a actuellement. Les vieux quartiers? Tu veux pas aller voir les vieux quartiers? C'est vrai, les vieux quartiers. Même il fit. Ouais. Il y a une quête en plus qu'on pourrait faire. Profession meurtrier. Non. Ah. Mais aucune n'est à vendre pour le moment. Ah. Bah d'accord. Bah ok. Bah d'accord. Mon comment argent... ça, on peut pas acheter tout? On veut tout acheter? Tout. Je veux tout acheter. Votre enfant, il n'est plus à vous. Je l'achète. Une autre quête et une quête à 1000. Elle était. Elle est. Sinon, elle était déjà. Elle, c'est le. Moi, je comprends plus rien. Attends, c'est quoi? C'est plus simple. Ah non, il n'y a rien d'autre. Très bien. Bon, ben. Allons-y. J'attends vos ordres, madame. Oui, ben, vous attendrez encore un moment. Parce que... Garde à vous. Faites place à la reine! Et au plus si beau. Vous me le permettez, votre majesté, je peux ta gueule de ce château triste et ennuyeux. Aujourd'hui, tu décides de la décoration du château. Les dialogues. Deux des plus grands décorateurs d'intérieur d'Albion
sont venus présenter leurs suggestions. Vous pouvez parler. Votre Majesté. Vraiment, il n'y a pas de décor bon, décor maléfique. Voyez votre jolie petite couronne. Merci, fable. Projet céleste, capable de lever les ombres qui hantent ces salles. Un fabuleux équilibre de teintes claires annonçant au monde. Je suis une souveraine puissante et vertueuse. Et écoutez-moi rugir. Mais admirez aussi mon intérieur coquet. Vous êtes une reine éclairée. Autorisez-vous également à éclairer le cœur de votre château. Céleste, sérénissime, magnifique. Dites-moi, comment voulez-vous entretenir votre réputation? Je suis Sibylle la Maléfique, votre majesté. Et je peux vous assurer que les gens respectent ce dont ils ont peur. Ce château devrait être une forteresse qui inspire la crainte. J'aime cette femme. Que l'on repeigne les murs et les couloirs avec du sang, ou du moins avec une peinture rouge qui y ressemble. Que tous ceux qui contemplent ce palace connaissent vraiment le sens du mot terreur, qu'il s'agisse de vos sujets ou de vos ennemis. Ah. Cela peut sembler futile, mais les apparences peuvent influencer l'opinion du royaume tout entier. Le choix t'appartient. Ah, normalement, je serais d'accord avec la madame à droite, là, pour qu'on fasse peur à tout le monde, le sang et tout ça, j'aime bien. Mais on a déjà notre fille à l'intérieur, et niveau déco, vu ce qu'elle fait... Elle accroche déjà les têtes des servantes un peu partout. C'est clair, déjà que les femmes de ménage, on a du mal à en trouver parce qu'elles démissionnent toutes. Enfin, quand elles sont pas sacrifiées. Merde. Aujourd'hui, tu décides du futur d'Aurora, ma reine. Il faut une nouvelle capitaine. Kaelin sera la voix de son peuple. River constituera l'opposition. Vous pouvez parler. Oh, les potatoes sur ton visage. Je suis venu pour chercher la protection que vous m'avez promise. Cela fait bien trop longtemps que mon peuple est contraint de vivre dans l'insécurité et dans la souffrance. Nous avons été honorés de nous joindre à vous pour revendiquer l'Albion. Et l'heure est venue pour nous de rejoindre votre royaume. Oh, le trou que ça a fait encore. Capable de faire. Aidez-nous à reconstruire notre chère Aurora. Et protégez-la comme vous protégeriez vos propres terres. Tout le monde le dit, il n'y a rien de plus noble que d'embrasser d'autres cultures. Ça ouvre l'esprit. C'est pour ça que je ne saurais être plus heureux que de voir Aurora intégrer l'Albion. Mais comme pour tout privilège, il y a un prix à payer pour réussir à satisfaire cette partie. Il se trouve que je sais comment faire. Vous savez, le désert auroréen abrite une mine abandonnée. Elle recèle une quantité de ressources suffisantes pour servir au royaume entier. Vous pourriez exploiter Kaelin et ses hommes. Ainsi, vous pourrez les déposséder de leurs ressources. Ce serait leur juste paiement. Vous voulez certainement parler de travail forcé. Alors, on ne va pas faire dans la sémantique. C'est une transaction honnête. Je sais que vous tiendrez votre promesse jusqu'au bout. Vous savez à présent ce que nous avons enduré. Le choix t'appartient, ma reine. Je tiens ma promesse. Je tiens à respecter ma promesse. On est à moins 1 650 000. La reine a parlé. Aurora sera reconstruite en tant que partie de l'Albion et sera égale aux autres parties du royaume. Merci, votre majesté. Vous avez prouvé à tous que vous étiez une femme d'honneur. Aurora, mon peuple et moi-même sommes fiers d'être à vos côtés. J'adore les trucs à côté. Tu sais, ça me fait un peu penser au truc qu'on trouve sur les bords de route avec le vent qui passe oui. À travers. Avec les bras bas, c'est pareil. Bienvenue dans la toute nouvelle Aurora. Ne soyez pas timide, venez découvrir une vraie oasis d'amitié, de camaraderie et de nombreuses réjouissances. Visitez la ville que les industries River ont reconstruite de fond en comble. Profitez du soleil, des spécialités locales, ainsi que des coutumes étranges de cette contrée. Et bien entendu, n'oublions pas une importante présence militaire. Il y a un coffre. Aurora, encore mieux qu'un rayon de lumière dans les ténèbres. Quand même un enculé parce que
vu que c'est lui qui fait l'annonce et qui le dit comme ça, il en retient aussi du prestige. Au tribunal aujourd'hui, votre majesté. Aurora s'est peut-être révélée être une ressource assez rentable, mais je suis sûr qu'on peut trouver d'autres moyens de remplir la trésorerie. En fait, si on y réfléchit bien, peut-être que nous sommes déjà tombés sur une telle opportunité. Aurora est peut-être un très bon investissement après tout. À ce qu'il paraît, un groupe d'explorateurs d'Albion était en train de visiter Aurora quand ils ont découvert un diamant rare dans le désert. Ils ont entendu parler de la légende de cette extraordinaire gemme par les habitants du coin et naturellement se sont mis en route pour la découvrir sans penser un seul instant au danger. Ce qui d'ailleurs pourrait expliquer logiquement pourquoi seulement l'un d'entre eux est revenu entier. Il est rentré les mains vides. Et à ce qu'on dit, il parlait d'affreux êtres du désert qui auraient pour mission de protéger le trésor. Pensez à la gloire, votre majesté. Pensez à l'aventure. Pensez à l'amour. Pensez surtout aux grosses sommes d'argent qui n'attendent que nous. Le diamant se trouve dans l'une des grottes situées sous le terrain vague auroréen, qui serait, d'après ce qu'on dit, le site d'un ancien temple abandonné. Vous n'avez qu'à le prendre, c'est simple comme bonjour. Mais oui. Mais oui, bien sûr. C'est si simple. Bon. Attendez. Je préfère l'autre vieux. Oui, ben justement. La boutique du sanctuaire a reçu des avant toute chose, j'aimerais bien aller voir. Voilà. Ok, on a assez pour l'acheter. Magnifique. Est-ce qu'ici... Ah non, on n'a plus assez. On a plus que 126 000. Et ce sera le dernier truc qu'on aura acheté, sauf le vieux marché, certainement. Ah oui, les vieux bâtiments, du coup, est-ce qu'ils sont... Enfin, le vieux quartier, est-ce que maintenant je peux... Non, toujours pas. Je vais me faire foutre, très bien. Ah si, il y en a un petit peu, là. Ah mais je les avais déjà en fait, c'est juste que je les ai réparés. Ah bon. Eh merci Rudy. Bienvenue dans la meute. Pourquoi Pourquoi ça le met pas sur ton... Bah oui, Wizbot alors. Bah alors. Bah Wizbot. Bah alors Wizbot. il est endormi, alors, le bot est endormi. On se réveille. Tout, tout, tout. Putain, il envoie les trucs normalement, j'ai pas très bien compris. C'est pas grave. Bienvenue. Alors, au final, il n'y a plus rien à acheter ici pour l'instant. Bon, écoute, on va devoir aller faire un peu d'aventure pour l'instant. Le temps que l'argent rentre. Oh oui, l'argent. Le temps que les locataires payent leur loyer, là. Donnez. Donnez votre argent. En plus, attends, en vrai, on est en train mais de marcher. Pourquoi c'est TP en fait. Mais je sais pas, là, je ne sais plus ce que je fais. Ah, mais Est-ce qu'on peut acheter Est-ce qu'on peut acheter vos. Est-ce qu'on peut acheter ici non. S'il vous plaît, non. Vraiment. Encore, c'est peut-être parce qu'on vient à peine de rénover. Oh. C'est à peine ils viennent d'avoir leur logis. Bon, vous allez devoir payer maintenant. Quoi. Mais pourquoi. Que je l'ai décidé. On est vos sauveurs, vous voudriez pas nous mettre en colère, hein. Bah alors. Vous savez, ce que je donne, je peux le reprendre. Horrible. En plus, dis ça, et qu'est-ce qu'il y a comme stat sur le côté. Villageois qui vous craignent. Quel enfer. Le roi horrible, hein, espèce d'étrange. Non, qu'est-ce qu'on a dit là-dessus. Pardon, espèce de personne d'une ethnie différente. Mais tout aussi valable. Ah, t'as eu un peu la voix de l'autre, je sais plus comment elle s'appelle. Ah oui. Avec ta Porsche. Ouais. Donnez-moi le cadeau là. Genre, c'est pas pour moi le cadeau. Ah si, accepté. Je suis aveugle en fait. Moi, j'ai pas de cadeau. Hein. Non, mais personne ne t'aime, toi. Ah bon, tu ne m'aimes pas. Non, tu terrorises les gens. Non mais toi. Ah moi. Oui. Waouh. Ouais. Vaguement. Écoute, quand le berceau sera vide, on refera. Quel enfer. Je t'aimerais à nouveau quand il faudra refaire des gosses. Et quand il n'y aura plus de place, bah bon, écoutez. Vous savez, le canapé, ça existe. Qu'est-ce que c'est que... Oh. Ah, je vise comme un pied, ça c'est bien.
21 sur 50, hein. Regarde-toi la moitié. Putain, la musique. Brum, brum. Deux cordes, tu sais, c'est qu'il y en a. Brum, brum. Mais parfois, faut pas chercher bien loin avec la musique aussi. C'est vrai. Ah, ah, des furies. Arrête d'esquiver! J'ai toujours trouvé ces ennemis un peu stylés quand même. Hein. Bon. Voilà. Je me fais chier. Chien. Voilà. Non, mais. Par là. Je sais pas si tu continues d'envoyer des messages, mais elle follow. Quoi. En fait, il boude. Il a pas envie. Non, c'est en ça. Fait, je le ferai pas. Le Wizbot actuellement, il est en mode. Non, mais. Il est jaloux en fait. Il veut plus d'attention. Qu'est-ce que. Ouh. Où es-tu? Là. Il est caché, hein. Mon chien il pue pas, il sent très bon. Il a une toilette tous les jours. Bon, il a une vie de roi. Il dans son dos là. C'est ça. La seule personne qui reçoit plus d'attention que mon chien, c'est ma fille. Et ma femme passe après le chat. J'en étais sûr. Écoutez. Écoutez, vous savez, on est mariés, mais on supporte, mais... C'est... L'amour, c'est voilà. Très surfait. Vous savez, dans la royauté, c'est par intérêt, la plupart du Oui, temps. C'est vrai. Bon, j'allais diriger le royaume, moi ça m'apporte du pognon et une bonne situation. Et dès qu'elle a besoin que je fasse peur à quelqu'un, bon, bah je joue les terreurs, on torture des gens, enfin voilà, quoi. On se débarrasse des indésirables, quoi. Le package habituel. Les gens horribles. Bien. Quel enfer. Vous allez voir, notre fils, c'est elle qui va s'en occuper. Il va devenir mou. Il va être comme sa mère. Mais Popo, il sera mort. Popo, il sera mou. Ah, ça n'a pas de sens. Popo, il est mou et Shifty, elle est dure. Ah oui, ah bah... oui. Et ça, c'est quand on a la flemme. Juste dans ce jeu, à partir du moment où tu t'arrêtes et que tu ne fais que spam Y, c'est que tu as juste purement la flemme de te bagarrer. Le combat t'ennuie. Et c'est aussi parce que c'est le truc qui fait le plus de dégâts. Oh, allez. Aïe. Tenez, regardez, je regarde même pas et je tape dans le dos. Voilà. Pas de coffre ou de truc, de trésor, je sais pas, y'a rien. Est-ce que depuis tout à l'heure on visite réellement ce qui se passe autour de nous là? Il faudra qu'on trouve un autre. Quand on a fini Fable 3, il va falloir qu'on trouve quoi faire en fait aussi. Bonding Ambivalence. Ah bah non, c'est après Far Cry 6. Bah c'était censé être après Far Cry 6, mais comme Far Cry 6, on va bientôt l'avoir fini aussi. Il y a aussi. Ah, c'est vrai! Ah bon, on pourra faire ça? Mais je sais pas si c'est pas là par contre. Non, mais c'est toujours un remplacement comme un autre, après on trouvera autre chose. Il y en a un par contre, j'ai vraiment hâte, mais de ouf. Bonjour à tous. Je rigole, je rigole. Jamais on jouera à ce Du coup, oui. Non, je disais un truc que j'ai. Oh! Ah oui, je l'ai pas vu. Je finirai jamais ma phrase. Donc. C'est ta hâte. Voilà. Little Nightmare 3. Ah oui. Mais c'est quoi? Peut-être que ça me donnera envie de jouer au 1 et au 2. Ah non. Et clairement, là, je te recommande. Du... Bah d'ailleurs, cool. J'ai. Tu sais. Ceux qui fait de musique là, qui a fait des musiques sur Palworld, sur Helldivers, sur. Sur tous les jeux là que tu m'as recommandé. J'ai écouté beaucoup d'autres de ses musiques et il en a fait une sur Poppy Playtime que j'adore. Ça m'a donné envie de jouer au jeu. Et du coup, je me le supplie. Et que je vais faire en stream. Mais, magnifique ça. Mais il y a un autre aussi dans le même style que d'ailleurs Aya m'a conseillé de faire aussi en stream. C'est Brambling
Branding. C'est un truc un petit peu... Ouais, non, peut-être pas branding, mais branding... c'est un peu dans le même style que Little Nightmare. En gros, tu joues des... je crois que tu joues un petit garçon, quelque chose comme ça. L'étoile du désert. Et les autres sont des... C'est un petit peu puzzle, etc. Ah oui, par contre, je te préviens, Little Nightmare, ce sera du platforming. Oui, bon, ça, je m'en doute. Mais ça va en vrai. Ça arrive. Si, il y aura peut-être un truc. Ce sera dans Little Nightmare 2 que tu vas pas apprécier. Une énorme araignée. Non, c'est pas. Non, je sais que t'as. Il y a un truc qui te fait encore plus peur que les araignées, c'est tout ce qui est. Oh non, les mannequins. Ouais. Il y a une phase comme ça. Et c'est une phase, c'est la phase qui m'a fait le plus peur. Elle est stressante comme phase. Elle est relativement stressante. Mais c'est. Mais je pense que ouais, le mardi, ça sera plus un truc genre jeu d'horreur. Je vais faire. Dead Space, honnêtement, je sais pas si je vais le finir. Je verrai, mais. Ah non, on passe directement au 3. Comme dit, je vais réessayer encore la prochaine fois. Je t'avoue, j'ai jamais fait le Rail 2. Donc. Il y a un coffre là-bas, tiens. Alors, normalement, ça nous dit de faire demi-tour pour ressortir, mais je suis allé faire un peu pour avancer. Parce qu'il doit y avoir un autre. Bah non, j'avais pas fini d'ouvrir. Ah, elles sont en train de me marave. Je fais ce que je peux. Tenez, voilà. On me disait. Je te referme pour un moment. La musique. Là, du coup, ça me fait revenir de ce côté-là. Ah ah! Là! Oh non, j'ai vu. Timbale. Non mais vraiment, Dead Space est tellement prévisible sur certains trucs. Il y a un moment où en gros il y a un train et genre tu vois un mec qui se fait infecter par une des créatures et qui commence à se changer. Alors que le train il est à l'arrêt, tout se passe bien. Il a aucune raison d'être fermé. Évidemment, dès qu'il a fini d'être transformé, le train qui s'ouvre, c'est en mode pourquoi? Pourquoi il s'ouvre direct? Il n'y a aucune raison pour qu'il s'ouvre ou qu'il soit fermé. Il n'y a rien, vraiment. Et genre, il y a des fois où il y a un moment où il y a un couloir avec deux civils qui sont en train de fuir. Et genre, la seule. Tu sais, il faut une excuse pour le jeu pour pas que tu puisses parler aux civils et qu'ils partent avant que tu puisses les atteindre. Alors, tu vois, je m'approche. Explosion du mur sans aucune raison, sans aucune flamme ni rien. Pour aucune raison. Et du coup, le temps que tu te relèves, ils sont partis. J'étais en mode non, mais vous faites aucun effort là, trouvez au moins une excuse. Il y a aucune raison pour qu'il explose le mur, il s'est rien passé. Je vois, genre. C'est ce genre de truc qui m'énervait. À un moment où t'es la tête en bas avec le pied accroché par un fil dans un train qui est à moitié à travers le plafond et tout. Et tu vois, il attend que les aliens arrivent. Juste en mode, mec, t'as un plasma cutter. Vraiment, tu vises le fil, tu tires une fois, t'es déjà libéré en fait. T'as aucune raison d'attendre. Vraiment aucune. Et évidemment, tu vois, déjà il. Merde. Déjà, évidemment, il attend qu'ils arrivent, les aliens qui prennent bien leur temps, et qui à un moment, tu vois, je rechargeais. Putain, mais c'est chiant! Attends, recule! Ah, c'est bon! Quel enfer! Et les aliens, tu sais, qui se massaient autour de moi pendant que je rechargeais, du coup, ils étaient pleins, j'étais un peu dans la merde. Et tu vois, l'alien qui commande, ah, je vais t'attaquer! Mais avant, je te laisse recharger! Ah, attention! Et je dis, ah, non, mais y a aucun effort. Et pourtant, je joue en normal, hein! J'étais pas en facile, mais vraiment j'étais en mode, mais enfin, le nombre de munitions que je trouve, de trucs de soins, c'est ridicule, mon inventaire est méga plein, ça n'a aucun sens. Je prends des coups, je ne me prends rien, j'ai en mode, c'est quoi, je vais pas me mettre en difficile, parce que si je me mets en difficile, le jeu d'un coup va être hyper compliqué. Non mais je vois le genre. Du coup ouais, ça m'a vite énervé, mais surtout l'excuse, comme le Dying Light 1 en fait, ça c'est ce qui m'énerve le plus. Bon, vous savez tout ce que vous avez fait dans le 1, bah on s'en fout en fait, ça sert à rien. Dans le 1, vous avez défoncé l'artefact, et bah en fait il en a recréé un autre parce qu'il avait besoin de son pouvoir. Alors premièrement, le recréer un autre,
je vois même pas comment, déjà, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, pour son pouvoir, le truc, tout ce qu'il fait, c'est de changer les gens en sorte d'aliens mort-vivant dégueulasse. Je vois pas quel pouvoir ça lui apporte, à part de crever, comme absolument tout le vaisseau qu'on a dû faire exploser, en fait. C'est, rien ne va, vraiment. Et ça m'a tellement énervé, je suis en mode, oh, c'est comme Dying Light 1 et 2, quoi. Dying Light 1, vous avez tout fait péter, il y a plus d'affection. Dying Light 2, vous recommencez, tout le monde est affecté. Bah, faites pas de 1, en fait, passez au 2 directement. Vous faites pas chier. Non, mais ouais, je vois le genre. C'est le genre de truc qui te casse un peu dans... Oh, c'est clair. Dans l'histoire, moi aussi. Du coup, je me dis, Dying Light 3, ça va être quoi? Ils en ont refait un troisième? Ils en ont recréé un. Non, mais là. Il n'y a plus rien, on est parti sur une planète, mais on a quand même emporté le virus avec. C'est ça. C'est très important. Duxing dans le chat qui disait: ah, qu'est-ce que c'est bien de sauver l'humanité pour qu'elle se redétruise derrière, encore une fois. Ça vaut la peine. Qu'est-ce que je fais en fait? Depuis tout à l'heure, on est en train de rentrer là, mais est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Attends, il y a une quête ici? Apparemment. C'est ce qu'on est en train de faire ou c'est autre chose? Ah, mais non, c'est la porte démoniaque, ok. Très bien, entendu. Non. Je vais aller. Il y a un truc qu'on peut acheter ici? Non. Non. On va acheter les ruines. C'est juste des zones. Des zones de trucs. Ah, mais je peux aussi réparer tout à partir. Oh, bah oui, mais j'aurais pu faire ça depuis le départ. Là, je me fatigue. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non plus. Ah. Je vais y arriver. Va bien se passer. Est-ce que j'ai assez d'argent pour ça? Oui. Et en gros, tu vois, dans Dead Space 2, en fait, c'est Isaac qui se réveille après avoir été au coma pendant 5 ans parce que il avait été récupéré dans l'espace et enfermé pour faire des tests sur lui et tout, sur l'artefact et tout. Et vraiment, après je comprends, ça fait 5 ans qu'il était dans le coma, du coup il est méfiant, mais il est agressif avec tout le monde. Genre, il y a un mec qui arrive pour le sauver, qui se fait buter, sa copine qui est au com, qui essaie de l'aider, qui dit: j'ai pas besoin de toi, vous êtes qui? Je vous fais pas confiance. Il est en train de se faire défoncer au moment où il est en mode: bon, ok, peut-être que j'ai un peu besoin de vous. En mode: mais oui, connard, en fait. Les mecs, ils sont là pour te sauver, t'es en train de te comporter comme un fils de pute. Je suis désolé, mais... Pareil, il y a un autre prisonnier qui essaie de te parler, de t'aider. Ah, et pourquoi je vous ferais confiance? Bah, parce qu'il est prisonnier, espèce de gros con. Tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il trahisse? Il a été torturé? T'es con ou quoi? On a... Attendez. On a acheté toutes les propriétés possibles pour l'instant. Est-ce qu'éventuellement on a assez pour monter sur le tas? Non, pas toujours pas. Il va falloir qu'on économise beaucoup plus pour aller chercher la clé au-dessus. Et ensuite, on redescend, on prend le coffre et on dépose tout au... Enfin, quand ça va redescendre au truc du royaume, on pourra aller chercher le coffre ici. Ah, mais j'ai des... C'est vrai, je prends les cadeaux, je les trouve jamais. Votre cadeau. Ah oui, de l'argent, c'est vrai que j'en ai déjà pas assez. Et ben... Voilà. De toute façon, la quête nous dit juste de ramener le poids du monde, château de Boerstone. Puis tu sais, il y a aussi le fait, à certains moments, où tu sais, t'es dans un couloir ou dans une pièce, et tu sais, je m'arrête, je suis en mode, bon, évidemment, il y a un truc qui va apparaître là maintenant, le truc qui est là pareil, et puis là, je vais me retourner, il sera derrière moi, un peu, je me retourne, derrière moi, je suis en mode... tout est prévisible, il n'y a rien, il n'y a aucun étonnement, en fait. J'avoue. Non, mais je comprends. T'es jamais vraiment surpris, enfin. Non, non. Ah, c'est là que je te dis que, en vrai, une mère va te surprendre plein de fois. Tu vois, alors que pourtant c'est dommage parce que l'ambiance en soi, le fait que c'est un vieux jeu aussi, oui. Et puis les lumières et tout, l'ambiance, j'étais en mode c'est horrible, les monstres sont horribles. Mais vraiment, par contre, il n'y a pas la surprise de alors, oh, il y a quelque chose qui arrive. À mon avis, on va pas se mentir là, je pense que le 3 ne sera pas. On va pas avoir peur ni rien du tout, on va non. Juste bâcher du mob et puis voilà, et puis on rigolera parce qu'on est à deux et qu'on est con. Mais je pense pas que ça va être notre jeu favori de tous les temps. Non, c'est évidemment, moi je m'en fous, c'est juste le jeu avec toi qui va être drôle, parce qu'on va dire des conneries, on va faire des conneries et tout, mais là... Il est bien plus beau que je n'avais osé l'imaginer, et beaucoup plus lourd aussi. Nos experts estiment qu'il vaut bien une petite fortune, vous vous rendez compte? Si vous me donnez 100 crédits, je vous tue. Que vous faire de cette magnifique pierre précieuse? Dois-je déposer l'argent de la vente à la trésorerie? Ou peut-être préférez-vous que l'argent de la vente soit dirigé vers... Non, mais autant le mettre directement dans la trésorerie, ce sera déjà ça de fait. Oui.
Il est presque trop parfait pour perdre son temps à 700 000. Une chose aussi banale que le royaume. Ouais, ça va, c'est correct. Bah, ça rembourse Aurora en soi. Oui. Un acte totalement désintéressé. Votre esprit noble. Par contre, c'est le choix gentil de façon de la mettre dans la banque, j'imagine. Oui. Évidemment. Avant votre propre. Bravo, votre majesté. Alors qu'on aurait bien pu prendre l'argent pour faire un investissement et en avoir un peu plus pour les, pour le, pour les gens. Hein. Bah là, il n'y a plus grand chose à investir. Hein. Oui, certes, mais j'essaie juste de trouver une excuse pour être plus riche, t'inquiète. Soit de la guilde. Ah, faudrait qu'on aille faire un tour pour terminer la. Est-ce que je pense qu'on peut terminer, presque, quasiment. Terminer quoi, non le... La route vers le pouvoir. Il nous manquait quelques coffres. Ah oui, c'est vrai. 112. Ah, je sais pas si on va pouvoir finir. Ouais. Tu veux qu'on ait vérifié ? Je pense qu'il nous faut 120. Puisque nous parlons de ce genre de choses, j'aimerais aborder le point épineux des allocations familiales qui furent abolies sous le règne de votre frère. Certains des membres de la communauté nous demandent de les réinstaurer. Non, mais ils veulent qu'on leur donne de l'argent maintenant. Ils ont voulu. Eh oui. Là aussi, en prenant en compte le bien-être des gens sur le long terme, j'ai une contre-proposition. Elle est quelque peu radicale, mais assez géniale, si je puis me permettre. Taxons-les pour chaque enfant qu'ils ont. Ah, j'aime bien, lui. Le niveau de la population... Mais non. Attends, ça veut dire que moi aussi, je vais être taxé. Non, non, je suis pas d'accord. Ah oui. Resterait élevé. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment injuste de faire naître des enfants dans un monde si incertain? Et c'est tort. Ils ne pourraient pas servir à aider les enfants qui sont déjà nés. Bien sûr, vous pourriez également choisir de conserver les pratiques de Logan. La décision repose entre vos mains. Mais oui, décision. Écoutez, on va restaurer les allocations familiales qui coûtent 200 000. Est-ce que ça veut dire que ça va me rapporter de l'argent ? Très bien, votre majesté. Les éleveurs que compte la populace seront ravis, j'en suis certain. Vous envisagez peut-être de faire un don personnel à la trésorerie pour combler le déficit ? Oui, bientôt. Bah, déjà, j'attends que mon argent monte. Peut-on poursuivre avec le reste de vos rendez-vous ? J'en devrais déjà être heureux qu'on les autorise à vivre. Alors, étudiez la proposition de rénover le refuge et orphelinat de Waterstone. Tu vois, on continue dans les enfants. Bien. Étudiez la proposition de vous occuper de l'excès d'eau usée aux industries de Waterstone et rencontrer Paige. Très bien. Eh ben, on va faire ça. Comme vous le voyez, deux audiences vous attendent dans la salle du trône. Des rumeurs courent selon lesquelles les dernières propositions de River sont à la fois scandaleuses et exquises. Mais dis-moi en plus. Bouge pas, t'inquiète, fais pas, je suis pas là. Avec son fait comme chien. Si c'était pas vrai. Est-ce que. Attends. Ah, bonjour. Qu'est-ce que. Comme ça, tu lagues pas. Je regarde le vieux quartier vite fait. Vas-y, vas-y. Non, toujours pas à vendre. Après, c'est vrai que le Dead Space 1 est un remaster, donc c'est sûr que c'est mieux. Mais je sais pas, je m'attendais à plus. Oui, mais tu as pas remasteré l'histoire non plus, tu vois, quelque part. Hein. Bah, il y a des trucs... remasteré. Et puis le fait que dans le 2, tu revois encore ta femme, qui à chaque fois, elle apparaît avec une tête bizarre, qui fait « Mais que sont ?» C'est à moi, elle a dit comme ça « Mais que sont ?» Je me dis « Waouh !» Mais je suis en train de voir un truc. Quoi ? Mais non, mais... Mon autre retour live, il est pas sur moi, il est sur toi. Et du coup, je me voyais pas moi. Tu me voyais en double. Oui. Voilà. Mieux. Donc, oui. Est-ce que Driftwood a fini de... Avez-vous terminé de vous installer partout ? Ok. Direct oui. Bon, allons prendre des décisions pour l'instant. Faites place à vous, grand roi et reine. Inclinez-vous devant moi. Cette audience va décider de l'avenir de l'orphelinat et de l'abri de Bowerstone. Paige va parler au nom du peuple exclu de la ville. River constituera l'opposition. Évidemment, comme d'hab. Vous pouvez parler. Votre Majesté, ça fait déjà longtemps que cet abri est utilisé comme refuge par les sans-abri
les pauvres et les orphelins. Et jusqu'à ce qu'on parvienne réellement à changer le monde pour le mieux. Je dis rien et tu veux voir ce que propose River. Moi je vois déjà l'option à gauche. Hein, mais... Ah tu vois l'option. Mais j'en vais t'as vu l'argent que ça donne aussi. Ah ouais, non mais... Et à ce rythme, il va bientôt tomber en ruine. Commencez par vous occuper de l'abri et de l'orphelinat. Et nous parviendrons peut-être à offrir un meilleur futur à tous les opprimés du royaume. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Les habitants de cette ville sont dans le besoin... Mais ce n'est pas un besoin de charité, mais d'amour. Je propose qu'on utilise ce vieux bâtiment délabré pour construire quelque chose qui sera bénéfique pour tout le monde. Vous savez, amour et argent ne peuvent que faire bon ménage. Mmh. Ne perdons plus de temps et inaugurons le premier bordel. Pardon, la prostitution ? Alors là, je suis complètement contre. Non, 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 la torture, l'exploitation des gens. Ouais, mais alors par contre. Ça non, la prostitution, je serais toujours non. Le mec hyper bizarre qui est contre. Veux-tu rénover l'abri et l'orphelinat ? Maison close, espèce de fou. Les pauvres de cette ville ont suffisamment souffert. Il est temps de rénover l'abri ainsi que leur. Et là, la reine, faisons une maison close, pardon. Ça va, ma chérie ? Qu'êtes-vous ? Merci, votre majesté. Je vais toujours à l'opposé de ce que vous pensez, alors. Ah, merde. Comme vous le souhaitez, majesté. Les petits orphelins et toute autre classe de miséreux auront ainsi un palace qu'ils pourront dire. Et du coup, il va recevoir la gloire de dire « Regardez ce qu'on a fait. » C'est grâce à moi. Vous êtes sans le sou ? Vous n'avez pas assez de motivation pour vous trouver de quoi vous payer de nouveaux vêtements ? Quel enculé ! Vos parents vous ont abandonné et vous pleurez sur votre triste sort ? Alors, accourez à l'abri et orphelinat des industries River, où vous trouverez du réconfort, des lits, de la nourriture, voire même des nouveaux parents. Nos portes sont ouvertes à tous, même à ceux qui ne le méritent pas. Mais quel enculé ! Aujourd'hui, tu vas t'occuper d'une question environnementale urgente. Le traitement des déchets de la ville. River va faire une proposition. Qui est toujours la plus méchante. La communauté de Morningwood constituera l'opposition. Vous pouvez parler. Votre Majesté, je suis sûr que vous avez remarqué dernièrement les effluves nauséabonds qui s'échappent de la ville. Je veux dire, encore plus nauséabonds que d'habitude. Je crains qu'il ne s'agisse plus d'un problème mineur, votre majesté. Bowerstone commence à être touché par un véritable problème de traitement des déchets. Nous devons trouver une solution rationnelle et peu coûteuse. Oh, je crois en avoir trouvé une. Votre majesté, à l'heure actuelle, nous déversons une partie de nos déchets dans les marécages de Morningwood. Avec un effort minime, les industries River pourrait discrètement rediriger notre système d'évacuation pour envoyer tous nos déchets discrètement dit-il devant tout le public. Comme vous le savez, votre majesté, il s'agit d'une zone désolée sans véritable enjeu financier ou culturel. La logique de cette décision est à mon avis indiscutable. Attendez, 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 ça va pas. C'est quoi cette voix ? La voix. Oh, bah alors. C'est dans mon cœur, c'est dans notre sang, c'est sous nos ongles. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous égaux dans la saleté. Aussi, tu t'en retourneras à la poussière. Ou quelque chose comme ça, non ? Il est... Alors, je vois pas pourquoi à Morningwood, on vous servirait de... Il est drogué, en fait. Et qu'est-ce que va devenir Morningwood ? Sa nature, ses elfes espiègles... Ses elfes espiègles, les filles lumineuses, qu'est-ce qu'il raconte ? Je ne pense pas qu'ils aient mérité d'agoniser sous... Ah oui, t'as fumé, toi. Soyez hein. Cool. N'enfouissez pas notre paradis. Soyez cool. Recyclez vos eaux usées. Sentez le pouvoir du cycle de la vie. Oh, lui, c'est un... C'est un écologiste vegan féministe. Vous pouvez pas en transformer une en... Il a tout. Ouais. Vous appelez ça déjà... Ah oui, une station d'épuration. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Quelle est ta décision, ma reine ? Allez. Va pour la station d'épuration. Morningwood doit absolument rester intact. On va trouver un autre moyen de résoudre le problème des égouts de Bowerstone. La reine a parlé. Morningwood ne sera pas utilisé comme décharge. Le comité sanitaire va rechercher des alternatives plus sûres. Merveilleux.
Vous êtes comme l'aigle majestueux qui s'élève dans le ciel. Wow. Quelqu'un qui est en plein accord avec ses entrailles. Ses entrailles. Vous êtes reconnaissant, genre du fond du cœur. Genre du fond du cœur, ouais. J'étais impatient à l'idée de respirer un peu d'air frais, mais je suppose que votre majesté doit savoir ce qui est mieux. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'on dit, ta gueule. Allez, vas-y, fais-nous une belle présentation. Il n'y a rien de plus important que la santé et l'hygiène de nos chers citoyens. Ainsi, les industries River sont vraiment heureuses de vous annoncer l'ouverture de la station d'épuration de Morningwood. Nous vous offrons une eau limpide et pure, comme vous n'en avez jamais vu, parce qu'il n'y a pas d'affluent sans effluent. Le rire à la fin. En fait, c'est le genre de bâtard qui trouve un bon truc à chaque situation, il s'en sort toujours. Plus qu'un seul rendez-vous. Paige a demandé à ce que vous vous rencontriez. Pourquoi ton chien est à côté de moi et le mien à côté de toi? Ça fait très romantique. Je me demande ce qu'elle veut. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez avec ce truc de roman de cap et d'épée? Faut arrêter. De cap et d'épée. 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 J'ai aménagé la salle pour vous permettre de stocker votre fortune ainsi que vos trophées et succès. Il nous faut beaucoup plus d'argent. 423 000, ce n'est pas assez. Attends, c'est vraiment 423 000. Eh bien, quand les gens l'emploient, c'est à peu près. Seul personnel. 423 000, ce n'est pas assez. Fais voir ce qu'on touche le plus. Ouais, les revenus magasins, on touche 20 000. Les loyers, 18 000. Les revenus magasins, 20 000. Attends, quoi? C'est les mêmes. Ah, les cadeaux, 116. Ouais, mais c'est les cadeaux. Oui, bon, les achats de propriété m'ont coûté un petit peu d'argent, mais ça va remonter, ça. Ah oui, pardon. Paige. Achetons les bateaux. Achetons la mer elle-même. Comme ça, à chaque fois que les gens veulent toucher l'eau, ils doivent payer une taxe. Une taxe sur combien d'air tu respires. Vous êtes tombé dans la flotte. Ça coûte de l'argent, vous savez. Un million. Plus 2 millions pour les traumatismes psychologiques de l'eau, la pauvre eau. Pauvre eau. On n'est pas compte à quel point ça... Le suivi psychologique par un psy, vous croyez que c'est ça gratuit? Ça la pollue. Vous polluez l'esprit de l'eau, vous savez. Et les petites sirènes, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les petites sirènes? Oui. On n'y pense jamais, aux petites sirènes. Mais non, mais vous savez, Ariel est dépressif. À cause de vous! Tout est de votre faute! Vous détruisez notre planète! Salut à toi! Vous êtes comme les vaches, vous pétez! Pétez! Ça va péter! Péter! Au fond, vous êtes comme du bétail. J'ai frise! C'est bon. Ah. T'es vu faire du sur place? On est vraiment con. Et je cours. Je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit. Avec le bruit. Le bruit. Le bruit. Le bruit. Pardon. Tous les jours qu'une reine rend visite au QG des rebelles. Vous avez changé le monde la dernière fois. Au moins, c'est, vous n'êtes pas comme Ubisoft où je dois me mettre sur son stream pour écouter. Certaines choses n'ont pas assez changé. Depuis le départ des troupes de Logan, le crime a commencé à grimper en flèche. Un homme n'en fait qu'à sa tête. Nigel Ferret. C'est comme si la ville lui appartenait. Tous les criminels de Bowerstone lui obéissent. Il est bien trop puissant pour moi. Et il est difficile à trouver. Mais je sais comment vous pouvez l'atteindre. Ben, dis-moi tout. Parfait. Kid s'est infiltré dans un gang de voleurs et a découvert leur projet. Il prévoit d'attaquer une taverne du marché de Bowerstone. Si vous y arrivez à temps, alors vous pourrez les arrêter. Au moins l'un de ces brigands doit savoir où se cache Ferret.
Très bien. Après, tu sais, je crache sur Ubisoft, mais en vrai, si Ubisoft à un moment veut nous sponsor, va éviter. En vrai. Ou alors, en oui, vrai. Mais alors avec une liberté de dire ce qu'on veut, alors je vais pas me gêner. Qu'est-ce que... Changement de zone. Ah d'accord. Vous comprenez pas. On sait chanter mieux que ça, hein, on le fait exprès. Hein. Je t'ai apprécié. Oui. Enfin, je le fais exprès. Non mais, ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas parler pour toi. Pas ici, hein, tu peux te voir. C'est intéressant l'intérieur du bâtiment. On est poussé. Le monde a besoin d'un homme fort pour récapituler. Ah, alors quoi? Oula, oula. Ah non, je suis un peu... Waouh. Mais je sais même pas si ça a compté. En même temps, il a disparu comme ça du coup. Cible de la gâche. Bah si, s'il a disparu, c'est que ça. Tenez. Tenez ça. Tenez ça. Tenez. C'est plutôt pas mal. Je suis plutôt Panam. Oui. Je suis plutôt Panam. Cyberpunk. Cyberpunk. Panam. Qu'est-ce que j'adore Panam. Alors j'attends d'avoir le DLC pour continuer Cyberpunk, faudra que je continue un moment. Bah il faudrait que je termine le DLC. Hein. Parce que tu sais, je fais le romance du flic et c'est vrai que... Ah oui, à chaque fois que je voyais Panam, j'étais en mode oh Panam. Ah, je vais enfin pouvoir faire ce... Je suis en train de me noyer. Attends, il y a un mur entre moi et lui. Non mais... Voilà. Mais je fais pas ta gueule. Arrêtez, Majesté, ça me fait peur. Arrêtez, Majesté, ça me fait peur. Pardon, Brigitte Lecordier. Oula, oula. Parce que oh, c'était Brigitte Lecordier, en 100%. Oui, oui. Qu'est-ce que j'adore, Brigitte Lecordier. Oui. Ça fait plaisir de voir. En plus, c'est vraiment... Elle est tellement cool, Brigitte Lecordier. Vraiment, toutes les interviews, tous les trucs que j'ai vus avec elle, est juste... C'est... Je vais dire... Je sais pas exactement quel âge elle a, donc ce que j'allais dire, je sais pas si ça se dit, mais... Je veux dire, c'est un peu la grand-mère qu'on voudrait tous avoir. Je sais pas quel âge elle a. Elle est plutôt jeune non plus, mais je crois ouais. que... J'en sais rien. Je vais pas annoncer un âge... Et tu pas être sûr de... Internet. Du coup, se renseigner. Brigitte Lecordier. Quel âge avez-vous, madame? Elle a 62 ans. Oh, ça va, je m'attends. Oh, bon, ça va. Ça va. C'est l'âge de ma mère, donc non. Enfin, ma mère a 60 ans, 2 ans de différence. Ouais, non, ça va. C'est un peu la maman qu'on voudrait tout savoir. Bah, pour notre âge, oui. T'imagines, elle vient très bizarre en disant. Non, 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 non. Les doubleurs en général, hein. doubleurs, doubleuses, enfin comédiens de doublage. Et on peut pas ouvrir ça? Pourquoi tu pas tu te casses? 15. Parce que eh c'est ben on peut. La suite. 15 coffre en argent avec des clés en argent, c'est cassé. Elle. J'ai dit ça. Oh les points. C'est juste donner des points. D'accord. Et j'ai 10 rares. Ah d'accord. Je sais pas si c'est dit comme ça, j'ai dit, j'ai jamais entendu parler de ça. Bon alors? Bah, non mais bouge pas, reste là. Parce que si tu sors de la zone au moment où j'appuie... Je sais pas que tu devais appuyer, je crois que c'est si automatique. Si vous coopérez, on vous fera pas de mal. Si vous nous créez des problèmes, on vous tuera. Mais pour votre gouverne, sachez que ça m'arrangerait que l'un d'entre vous en crée. Ça me permettrait de le tuer et de donner l'exemple. Alors, qui se dévoue? Oh, on dirait qu'on a une volontaire. La reine, rien que ça. Occupez-vous d'elle, les gars! Voilà. C'est quand même sacrément con, hein, parce que.
vous rendez bien compte que je suis arrivé jusqu'ici, c'est que trois bouts de brigand, ça ne fait rien en fait. On ne peut plus se risquer à fréquenter notre ancienne planque des industries. Ouais. J'inaugure dès aujourd'hui un nouveau centre opérationnel au cœur du marché de Bowerstone. Vous avez d'ores et déjà reçu une clé vous en ouvrant l'accès. Veuillez ne la transmettre sous aucun prétexte. Bien sûr, il met ça dans un message très facile à récupérer. Et c'est extrêmement discret. Il paraît que le forgeron... Magnifique. Notre base hyper secrète est exactement ici. Voici la clé. J'espère que personne ne la trouvera. Ah bah merde, ils l'ont trouvé. J'ai vu sur TikTok qu'il y avait un mec ou en gros qui demandait à une fille est-ce que tu sortirais avec moi si j'étais plus mince, et la fille qui le regarde, je sortirais avec toi même pas plus mince en fait, t'es très mignon. Et tous les gens dans les commentaires, tous les mecs dans les commentaires, ils disaient non mais c'est une menteuse, elle est juste c'est en train crise. De mentir. C'est bon, et tous les meufs qui étaient en mode mais pourquoi vous voulez pas croire qu'une fille puisse aimer un mec qui n'est pas mince en fait. J'avoue. D'ailleurs, au final, j'ai songé à un truc, là. Oui. En admettons que maintenant, on a un stream tous les soirs quasiment, que ce soit en solo, de chacun de son côté, ou en coop. Oui. À 2 ou à 15 000. Oui. Je me suis dit, vu qu'on peut plus trop se faire de... C'est, admettons, on veut reprendre faire des events une fois de temps en temps, tu vois. Mm-hmm. Je me suis dit, et si, au lieu de se limiter à nos emplois du temps habituels, ouais. On faisait un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on propose n'importe quelle date, on voit en fonction de la date qui est choisie, et une fois que c'est choisi, ensuite on adapte notre emploi du temps de stream par-dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Attends, on vient d'ici ou on repart de là-bas ? En soi, oui, on pourrait, oui. Mais c'est juste que certains trucs, genre moi mes parties de JDR, ou ça par contre je peux pas changer. Oui, ça non, mais de toute façon tes parties de JDR c'est très tardivement. Quoi. Oui, dans tous les cas c'est souvent après minuit. Oui. C'est toujours. Attends, on doit ouvrir ici. C'est une heure du mat. C'est donc non, mais je parle. Je me demande parfois à quoi ça peut bien servir. On s'en fout, on peut pas se battre. Une planque, non, il veut causer. T'es bien devant comme ça, je suis sûr de rien voir. T'as entré comme dans un moulin. Les gars. Veuillez à présent remplir les services pour lesquels je vous emploie. Exécution. Hein ? Tuez-la ! Vite ! Mais vite ! Arrête de parler ! De parler, oui ! Ah, bon, ok. Je vais au cac ! Tiens ! Voilà ! Il ne leur faut rien de faire. Oh, je lui. Je l'ai fait à l'envers. Mais c'est épais partout. T'as vu, regarde quand je charge. Je... Ah bah maintenant on le voit plus. Si rien. Ah, oui, si. Oh, en effet. C'est elle, hein. Alors, oh la gueule par contre. Rah. Bah, je vois même plus ton. Ah, si, si. Oh. Je le vois même plus ton... Bon c'est pas grave. Bon, trésor. Ton arme est redevenue invisible. Ah, hein. C'est pas grave. Toc toc. Ouvre. Ah. un deuxième coup, on sait jamais. Je vois pas... Pour moi il fait rien, il fait pas d'animation. Il dort. Ils sont réveillés. Pourquoi ça ne brouille pour rien? Ça va faire un jour. Comme nous, je vois ton arme invisible alors. Ah, mais il est pas bon là. Il est pas bon. Oh, ça bug un peu. Attends. Si je fais ça. Waouh. Et ça. C'est mieux, je vois ton arme. T'es con. Attends, êtes-vous allé à la boutique du j'ai oublié de remettre mon chat. Voilà. Comme s'il y avait beaucoup de gens qui parlaient. Oui.
Si, regarde. Hop. Ils m'ont enlevé. Faites-moi sortir. Ouais. Bonjour, vous allez sortir? Bonjour. J'essaie d'ouvrir la porte un peu de mal. Si, si, c'est bon. J'ouvre tout. Je tape les murs, rien ne va. Il y a quoi par là? Ouais. Des ennemis? Une poule! Libérons la poule. Oh! Une clé! Je veux libérer la poule, je! Je veux libérer la poule! Allez, réapparaît le bouton. Porte est fermée, cette porte est fermée. Je peux pas libérer la poule, désolé. La poule reste enfermée. Elle est où la poule? Elle est là, j'arrive pas à la libérer. Porte est fermée. Non, t'as pris la clé derrière toi. Quelle clé? Là-bas, au fond. T'as entendu ce oui, 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 oui. Le copyright, non, merci. Tu vas te faire démonétiser. Tu peux toujours aller te faire enculer. Tu ne te feras jamais d'argent. Non, ça te rapportera rien. Mais c'est pas grave, tu le fais par passion. C'est moi. Tapez ça, tu peux c'est rester fou. Près de la porte. Bonjour. Je pense pouvoir affirmer en toute confiance que vos efforts sont vains. Même s'il semblerait que vous ayez vaincu mes associés, cette porte est tout simplement infranchissable. J'ai tout simplement un flingue qui peut juste tirer à travers les barreaux. Contient une sortie secrète aussi. Par laquelle je compte bien prendre tranquillement la poudre d'escampette. Pendant ce temps, mes partenaires vous réduiront en miettes. Oh, il s'en fout de ce que je fais. Non, je suis trop loin. Surprise que ces hommes aient osé vous affronter. À dire vrai, et en dépit de mon intelligence supérieure, il semblerait qu'il ne s'agisse pas en réalité de la cellule que j'ai mentionnée plus tôt. Celle avec la sortie secrète possède deux couchages. Félicitations. Malgré tout, vous n'avez pas lâché prise, votre majesté. Cependant, j'ai à vous soumettre une proposition que je vous invite à considérer. Il est trop tard pour négocier, Ferret. C'est terminé. Cette affirmation que j'entends là est totalement dénuée de tout mérite, mais surtout de vérité. C'est faux. Voyez-vous, il m'arrive d'avoir sur moi une quantité plutôt conséquente de monnaie. Pensez-y bien. Non. Vous me laissez partir. 100 000. 100 000. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous laisserais pourrir ici. Mais c'est à la reine de décider. Espèce de mécréante royale. Oh, tu parles pas comme ça, ma femme. Dis-moi qui lui parle comme ça. Se verra châtié d'une façon qui se trouve être tout aussi odieuse. Et que au lit. Et qu'au lit. Les forces criminelles de Nigel Ferret ont été vaincues et Monsieur Ferret reste enfermé dans une cage pour le restant de ses jours. Ce qui risque de ne pas durer longtemps en l'absence d'eau et de nourriture. Ah oui. On est gentils, nous. Bon, on laisse crever dans la cellule et mourir oui, de faim. Mais oui, on est gentils oui. En soi. Mais que ce qu'il mérite. Je veux bien être sympa, mais il y a des limites. Je suis au regret de vous annoncer que nous sommes très en deçà de nos prévisions. Oui, mais c'est normal. La trésorerie est loin de posséder assez d'or. Mais le royaume requiert à nouveau votre attention. L'heure est venue de prendre une décision sur les lois encadrant la consommation d'alcool en Albion. Ah. Sous le règne de Logan, nos citoyens ne pouvaient acheter qu'une quantité limitée d'alcool chaque jour.
Comme vous pouvez l'imaginer, cette mesure ne s'est pas révélée être des plus populaires. Ouais. Comme tout, aujourd'hui. Pourtant, de nombreux membres respectés de la communauté pensent que cette loi ne va pas assez loin. Ils voudraient abolir totalement la consommation d'alcool. Voilà, si vous voulez une guerre civile, c'est le meilleur moyen. Titre, si vous voulez mon avis, qu'elle provoque un comportement inapproprié et des scènes de rue plutôt exubérantes. Mais c'est pas grave. Ces nobles, soucieux du bien-être de nos rues, sont prêts à payer de grosses sommes pour changer cette loi. Tant les roturiers eux-mêmes voudraient voir les restrictions complètement levées. Voyez-vous, ils prétendent que l'interdiction de consommer de l'alcool empiète sur leur liberté et leurs droits. C'est pas totalement tort. Vous pouvez pas contenter tout le monde, votre majesté, mais vous devez prendre une décision. Non, 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 mais interdire de l'alcool et puis quoi encore ? Et qu'est-ce que je vais faire quand je veux picoler ? Comme vous voulez. Laissez les rues se remplir de fêtards pauvres et sous. Ça détournera peut-être leur esprit de la catastrophe qui les menace. Oui, voilà. Toutefois, ça laissera un trou visible dans notre budget. Si vous vous sentez d'humeur particulièrement généreuse, vous pourriez peut-être faire un don personnel pour... Ce qui d'ailleurs très con quand on y pense. Parce que enlever l'imitation, ça fait qu'ils achètent bien plus d'alcool, donc on est censé se faire du pognon. Mais... Décider de la possible réouverture de l'académie de Brightwall et de Brightwall. Il dit la proposition de drainer le lac de Bower, rencontrer une citoyenne engagée et riche. C'est intéressant. Ça. Samuel, dirigeant de l'académie de Brightwall, est prêt à plaider son affaire. J'espère simplement qu'il ne cherche pas l'aumône, bien que je sois sûr que Maître River sera la voix de la raison, comme d'habitude. Très bien. Alors, avant toute chose. Oui. Ah oui. Oh. 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 Voilà. On va déjà prendre ça. Désolé. Je m'en vais. Mais je... Oh, la puissance de mon poing dans ton cul. Allez. Dans ton cul. Le fist céleste. Le fist céleste. Fistiland. Au fond du fun. Et normalement les derniers trucs c'est les forgerons, tout ça, niveau max. J'ai plus que 84, je suis pas sûr que ça suffise. J'ai plus que 80. Le reste de 800 à combien? 60 chaque. Ah va falloir revenir, fait chier, j'espérais qu'on puisse tout faire d'un coup. Aïe. Non. Il manque 20. Moi, il manque 40. Pardon. Non, mais il n'y a plus rien après. Il a fait d'en arrière. Allez, revenir au début. Des trucs. J'avoue que par contre, en vrai, ça c'est un truc que je trouve un peu dommage dans ce jeu-là, c'est que la route du pouvoir est pas assez... longue. C'est... Déjà pas assez long, je trouvais qu'ils auraient pu rajouter un peu plus de coffres et surtout en termes de récompenses. C'est pas. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Ouais, je peux comprendre. Bon, bah on reviendra. J'ai combien d'argent ? Est-ce que j'ai assez pour gravir une montagne d'or ? Je pense pas, mais ça vaut le coup de vérifier. Amino Domine. Amino Domine. Il vous fallait autre chose. Amino Domine. Vous avez ah de... Oh ça va. Mais pas assez. On est à 837 000. Faut peut-être le million au moins. On pourrait presque parler d'une butte. D'une butte. D'une butte. Oh, est-ce qu'à tout hasard, vu qu'on est passé une nouvelle journée... Ah oui, c'est vrai. Vous avez un diamant, pâte de chocolat, cadeau. Est-ce qu'éventuellement... Non, toujours pas, on peut rien acheter ici. Je vais me faire foutre. Oui. Okay. J'entends. En termes de quête, on a quoi? On a toujours les mêmes, je suppose? Ouais, toujours les mêmes. Ah non, pas toujours. Attends, il y en manque une. Trésor du temple, ville d'Aurora. Ah.
Il y a un truc à faire à la ville d'Aurora. Bah, let's go. Fasmara a besoin d'aide pour restituer le trésor perdu de son peuple. Le diamant vous est vendu. Ah oui, alors le diamant, comment vous dire ? Changez de look, offrez-vous une nouvelle coupe de cheveux. Nouvelle coupe de cheveux ? Oh, il y a plein de trucs ici. Alors, oh, une crête. Ouais, comme ça, quand Aya va regarder, elle va dire « Mais non, t'es moche avec ça !» C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Maquillage gothique, non. Bonjour, votre grand. Maquillage la beauté est affaire de goût, maquillage tache d'encre. Oh, intéressant. Prenez ça, de ma part. Merci. Voilà, attends, ce jeu de... Ah oui, Secretas. J'espère que tout est en ordre. Coiffure. Elle est où? Là. Waouh! Waouh, elle est géniale! Oula! Tu as des préjugés, Jasper? Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Non, j'appuie sur tous les objets, je voulais pas. Oh. Attendez. Ah, j'hésite. Il ne vous manque rien. Oh, je vois, c'est fait exprès. Attendez, on reprend. Allez. La barbe donne toujours du caractère au visage. Noir profond. Et c'est plus c'est. Ok. Très bien. Reflet des cheveux en rouge, par contre. Oh, je suis magnifique. Vous savez, quand j'en aurai marre de mes vœux, je ferai ça. Bah. Attends. Oh, t'en penses quoi, moi, comme c'est ça. Splendide. Faut que tu viennes vrai. Extraordinaire. Ou alors en option, sinon j'ai ça. Ah oui. Oh. Attends, je vais le colorer. Allez. Hop. Base de style facial. Parfait. Oula, oula, j'ai fait de la merde. La barbe est rouge. Écoutez, le c'est sang bien. Est resté collé dedans. C'est pas ce que je voulais faire. Attendez. Vas-y. Voilà. T'en penses quoi? J'aime beaucoup comme ça. J'aime bien. Hein. Ouais. Mmh. Non, oui, tout à fait. Bah oui. Extraordinaire. Attends, si j'essaye une autre coupe, peut-être que je peux enfin changer de coupe. Hein. C'est peut-être temps. Hein. J'ai quoi? Ça. Non. J'aime bien votre nouvelle coiffure. Ça, bah ça c'est ce que j'ai déjà. L'afro. J'ai toujours été d'avis qu'il fallait ça. Savoir se lâcher de temps en temps. Non, ça va pas. Je vois que vous m'avez des homos. Attends. Ça va tellement pas ensemble. Voilà une coiffure qui ne manque pas. Ouais, bah c'était mon ancienne coupe. En vrai, elle me reprend mon ancienne coupe, hein. Ça te va bien. Et ça. Ouais, oui. Et deux crêtes. Non. Je ne me permettrai pas de juger du bien fondé de votre changement. Coloris. Baisse des cheveux. Magnifique. Incroyable. Oh non. non, je veux pas faire de l'argent. Non. Attends, y a eu, peut-être qu'il y en a qui vendent d'autres choses. Qui vous vendez, vous? C'est toujours aussi drôle. Qu'est-ce qu'est-ce de fruits bizarres. Ah non, mais ça, c'est des cadeaux, on s'en fout. Bon, y a des trucs de. Oh! Ah, mais me vomissez pas dessus! C'est ça les tenues, hein, là.
costume magique. Pas ouf en vrai. Non. Et il y a des tatouages. Bon. Auroréen. La ville de l'Aurora, c'est ça. C'est ça. Ça. Quelqu'un qui veut donner un cadeau à l'intérieur ici. Oui, mais là aussi, mais ça, il veut pas. Oh, des armes. Oh oui, les armes. Marteau en os de dragon. Oui, on les achètera après quand on. Bah, on a l'argent assez, hein, on peut le faire maintenant. Mais non, mais c'est ce qu'il faut que j'économise pour le. Non, mais c'est 7000, tu vois, à peine. Je les acheter maintenant. Marteau en os de dragon. Je suis sûr que vous ne regretterez pas cette dépense. Pour une bonne. Si, si, tu veux, je peux. Merde. Mais non, mais. Désolé. Mais laisse-moi. Mais je veux aller à mon truc. Mais laisse-moi finir. C'est insupportable. J'achète bon. Tout ce qui reste. Bon, c'est pas grave, vas-y. Ah, mais ça te le met aussi. L'armurerie est à votre disposition. De quoi? Bah, tu peux quand même acheter des trucs. Ah non, t'es forcément là. Bah, non, oui, je suis obligé d'attendre que t'aies fini. Ah, attends. Là, c'est ça. Marteau en os de dragon. Info. C'est quoi les stats? Alors, dégâts 115. C'est quoi, je vais aller voir mes stats. Tu es 50 ennemis, ennemis une main avec plusieurs bottes. Avec plusieurs bottes, c'est-à-dire C'est quand tu charges ton coup, je crois. C'est ça, une botte. Pour... Tu es 150 ennemis avec un sort boule de feu non entrelacé. Traîner 5 villageois au travail. Quoi, juste parce que si je me... l'enchaîneur, c'est celui que j'ai, 104 de dégâts. Boule de feu okay. N'entrelacée. Si j'ai double boule de feu, est-ce que c'est considéré comme entrelacé sur un ennemi quand on peut le faire bah non, du sur coup. Place. C'est non entrelacé. Double boule de feu, c'est juste double boule de feu. Quoi. Attends, j'ai acheté quoi? J'ai oublié. C'est quoi le nom du truc? Vous avez du goût en matière de gantelets. Les marteaux causent de gros dégâts. C'est toujours. Je viens d'acheter une épée, je sais plus ce que les c'était. Sont plus à ouais, c'est pas ça, hein. L'épée de l'amour. 150 ennemis creux, 150 ennemis pendant le jour, toucher 200 ennemis avec une botte. Ayez 3 enfants. Ah. Ah oui, mais du coup, ça les compte pas maintenant? Faut continuer de faire des gosses. Eh bah écoute, on fera 10 gosses. Faites l'amour 10 fois avec des femmes. Ah. Ah non. La doudou éventuellement. Faites chavirer le cœur de 5 villageois. Oh, c'est chiant. Ah, j'ai des immunités aux cicatrices avec ça. Okay. Je vais me permettre de faire un rapide FK, je reviens. Ok. Et le pistolet, c'est quoi? Non, pas le dragon noir. Merde, je sais plus c'est quoi le nom du pistolet. Priseur d'os. Je l'ai acheté et j'ai déjà oublié c'est quoi. Non, c'est pas le pistolet, c'est un. Mais non, que je suis débile, c'est un. Partisan du héros, Ariette la brute, Psyre gagnant, Mousquet, c'est celui-là? Fusil du héros, bah non. Putain, c'est lequel? Ariette la brute? Non. C'est pas Ariette. Le partisan du héros, ce serait ça? Ou alors c'est. Elle fait quoi, Ariette la brute? Augmentez votre moralité. Traîner 10 criminels en prison. Mais non, c'est pas celui-là. C'est, ça doit être le partisan du héros, alors. Ayez 2 enfants. Ouais, c'est ça. Ça a le même style que l'autre, au final. 2 enfants. Donnez des cadeaux à 5 joueurs. 5 joueurs différents ou le même joueur, sinon ça fonctionne. 12 de dégâts supplémentaires. Ça pousserait à 107. Ça, on s'en fout un peu. Les 20 dégâts en mode multijoueur. 20%. Ouais, c'est pas dégueu en vrai, le partisan du héros. Actuellement, j'ai lequel d'actif? C'est celui-là. J'ai pas beaucoup augmenté celui-là. 97. Plus de beauté. Plus de chances de tuer des ennemis humains.
En vrai, il est pas si ouf le Tyrellite 500 en comparaison. Je vais prendre celui-là. Hein. Bon, le gagner des sauts, on s'en fout un peu, mais c'est 12 de dégâts plus 20% de dégâts en mode multijoueur, c'est pas... Ah mais terminer 10 quêtes. Ah mais je pourrais l'avancer quand je serai dans son truc à lui au pire. Je ferai un peu moins de dégâts de base, sauf si je fais ça. C'est quoi ? On va le prendre. Il faudrait que je teste en lui offrant 5 cadeaux. Ouais, mais faut qu'il sorte de son... Ok. Est-ce que... Là. LB cadeau. Ok. Ah, voilà, parfait. 5 cadeaux. Ouais, on va faire ça. Non, mais je veux pas des meubles. Ah, voilà. Divers potions. Divers, hein, j'ai pas de nourriture. Objet, ah, objet changeable, parfait. J'ai rare, diamant rare, c'est tout? Ah, bah voilà, parfait. C'est ça que je vais lui donner. C'est pas très intéressant, on s'en fout, mais. J'ai pas un truc en x5. Émeraude. Ah tiens, voilà, je vais lui donner des émeraudes. Ok. Ça lui fera un peu de sous en plus. Oh ouais. On a donné plus que ce qu'il faut, mais c'est pas grave. Voilà. Ah, et maintenant, si je fais... Si je vérifie... Parce que j'ai une nouvelle arme qui me donne beaucoup plus de dégâts. Merde, c'est pas ça. Qui me donne beaucoup plus de dégâts en t'offrant des cadeaux et en jouant multijoueur après. Mais il faut faire 10 quêtes, donc je pourrais pas le faire sur ma partie, à mon avis. Mais d'ici à ce qu'on joue sur ta partie, j'aurai 20% de dégâts en plus. Ah voilà, c'est là qu'il vous fallait autre chose. Et par contre, il faut que je vérifie là, je t'ai envoyé 5 cadeaux, est-ce que ça fonctionne? Ah, est-ce qu'il faut que je les accepte peut-être? Peut-être, attends. Je cherche déjà où il est. Là. Ah. Pas l'air d'avoir compté, ça a augmenté de 1, j'ai l'impression. Attends, j'accepte les cadeaux. Oui. Ah oui, démon. Oh, toujours plus démon. Oh, une perle. Une autre perle. Encore. Ah, une topaze. J'espère que c'est pas 5 joueurs. Ça m'a bloqué, je suis bloqué. T'es resté bloqué. Je suis bloqué. Quel enfer. Non, je vais pas faire ça. Au pire, je vais nous TP et peut-être ça va te débloquer. Genre peut-être, ça. Ouais. Je vérifie à nouveau. Partisan du. Le fait que tu les acceptes change rien. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse. Non, start. Ah, c'est bon. C'est bon. Okay. Alors bouge pas. T'es très pâle ou c'est moi? Oui, je suis blanche comme un cul. Je suis bloqué, en fait. Je viens de me rendre compte, je peux pas bouger. Non, c'est bon, ne bouge pas. Ah! Attends. Je t'expulse au pire. Ouais, vas-y, vire-moi. Refais start. Mais vraiment, oui, je veux vraiment l'expulser. Ah oui. Oh! Bon. Tout ça. Encore un cadeau, oui, ben, je l'accepte plus ce cadeau. Là, ça va pas bugger. Faut que je te rejoigne. Quel beau marteau! Vous écraseriez vos ennemis avec panache avec. TYP Shane!
Donjon de session. Un jour, je dépenserai mon argent pour changer ça. Parce que... Je m'appelle pas Robinum, si. Si, je crois. Enfin, je non, je t'appelle Lachette, enfin, voilà. 99. 6, non, Robinum, c'était mon autre compte. On n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Ah, ne bouge plus. Je ne bouge plus. Ok. Vous avez offert l'objet à l'autre héros. Va récupérer ton truc. Je vais vérifier si ça l'a augmenté. Si ça l'augmente pas, ça veut dire qu'il faut que ça soit 5 joueurs différents, et du coup ça veut dire que cette arme n'est pas si ouf que ça. Ok, c'est chiant. Il faut que ça soit 5 joueurs différents. Quel enfer. Je suis rebloqué, et pour aucune raison. Attends, non, là-dedans je suis pas bloqué. C'est bon, j'ai eu peur. C'est bon. Ok, bah faut que je trouve autre chose en fait à faire, parce que cette arme est pas ouf finalement. Après moi je compte pas faire toutes les améliorations non plus. Non mais j'aimerais quand même surtout parce que je la trouve stylée. Je veux quand même une arme qui dépop un peu les gens quoi. Ah bon, tiens, une pub Twitch. Pourquoi j'ai une pub? Ah mais c'est vrai, le paiement pour mon abonnement il a pas été accepté. Ah bon? Ouais, parce qu'il faut que je refasse un autre code de carte, faudrait que je le fasse quand j'y pense. Examiner la propriété, tu peux acheter? Tu peux acheter dans le village? J'espère que vous. Ah, ça y est? Attendez. Oh, vous me dites des choses comme ça. Oh oui, je peux acheter, ça y est. Acheter et louer. La maison des platitudes. Est-ce que ça veut dire que je peux aussi faire dans le vieux. Il y a des chances, ouais. Dans le vieux, tu peux acheter le vieux. Je vais acheter le vieux. Un peu longuet, mais... T'inquiète. Ah, pour moi, la carte a arrêté de bouger. L'argent. On aime vraiment pas les pauvres. Je crois que j'ai tout acheté à Aurora. Alors attendez. Du coup, les vieux quartiers. Non, toujours pas. Dans les vieux quartiers, je vais me faire foutre. Peut-être qu'il faut qu'on y aille à pied vite fait pour voir. Peut-être, je pense pas, mais peut-être. Je vois pas où est-ce que ça changerait en fait. Ici, il n'y a pas plus d'habitants au mètre carré. Oh, quel enfer. Ouf. Dès que j'en bois du coca, c'est... Ah, qu'est-ce qu'ils veulent encore? Donnez-moi. Donnez-moi! Pas de cadeau. Merci. Ah, du coup ils sont tous bourrés. C'est ça de passer des lois sur l'alcool. Ah bah, fallait s'y attendre.
Oh, mais les trois quarts sont bourrés, mais. Oui, elle arrête. Mais non, je m'en fous. Je voulais juste attendre. Vous finirez par vous écrouler. Majesté. Il m'arrive de faire des rabais à l'occasion. Ils sont pas les couilles. On arrive. Quoi? Trésor, où ça? Pardon? Apparemment. Ouh! Ouh! Qu'est-ce que vous... Ouh! Ouh, le trésor, où? Là? Là? Ah, le livre! Ah, oh, on l'avait pas vu. J'en ai tué 50. Avec un simple coup de la rouillée. La lune? J'y suis allé dans un grand ballon. C'est superbe. Et il n'y pleut presque jamais. Les sorts et tout le reste, je les connais tous. La cuisine, tout plat qui ait pu être préparé, je l'ai mangé. Les inventions, c'était moi. Je les ai inventées. Oh, et j'ai écrit ce livre. Vous n'êtes pas impressionné? Vous le sauriez si vous saviez que j'étais analphabète. Et paralysé, et aveugle. Il fait beaucoup là, non? Le but du bec. Votre Majesté, bienvenue dans notre temple. Désolé pour l'état dans lequel vous le trouvez. Avant l'arrivée des ténèbres, notre trésor le plus sacré se trouvait là, dans cette salle. J'ai perdu tout espoir de le retrouver, car pour ça, il faudrait s'attaquer au désert. Nous avons déjà perdu tant de personnes. Qui parmi nous aurait le courage de faire ça? Oh oui, qui parmi nous, je me demande. C'est la tronche que j'ai, putain. Merci. J'ai cru qu'il n'avait jamais parlé. Ouais, moi aussi, je me disais. De franchise. J'avoue que je n'ai pas pour habitude de demander de l'aide aux souverains. En ce qui concerne le problème en question, cette salle hébergeait autrefois les colorants sacrés du temple. Ils sont absolument nécessaires pour nos rituels. Les colorants sont faits à base de fleurs rares cueillies sur Aurora et son désert environnant. La cueillette a toujours été une tâche dangereuse. Mais depuis que les ténèbres sont tombées sur nous, elle est devenue pratiquement impossible. Si vous êtes capable de retrouver ces fleurs et de me les ramener, alors je pourrais refaire ces colorants. Avec ces colorants, le peuple pourra peut-être retrouver une partie de la foi qu'il a maintenant perdue. Nous les partagerons avec vous, bien évidemment. Tu veux te battre? Collecter les fleurs. Je vais te montrer comment on se bat. T'es sûr que tu veux te battre? Ah, mais c'est un voyou! Normalement, j'aime pas les chiens, mais... Est-ce que je le tape? On peut les mettre en prison? Je sais pas. Il y a une prison à Aurora? On dit qu'il y a un visage. Est-ce que je le tape? Ça, hein. Là, j'ai raté. Bon, laisse tomber, on s'en fout. Approche, je vais te montrer comment on va. Flemme. Flemme sur 20. Oh! On n'a pas assez. Fuck. Mais alors, les fleurs, c'est bien, mais c'est où? C'est aléatoire? Je sais pas, j'espère pas. Liste de quêtes. Trésor du temple. Collecter les fleurs rares. Voir le chemin. Pas de chemin. C'est un truc genre à la... Un peu comme les... Comme comment les ça s'appelle les nains creuser. Quoi? Oh, c'est chiant, c'est quoi les nains? Je t'avoue que j'ai pas particulièrement envie d'y faire maintenant. Non plus. Mes hommages. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Bonjour, votre majesté. C'est tout simplement abject. Comment allez-vous, majesté? C'est qui tu traites d'abject, là? C'est une voyou. Les affaires marchent bien, mais j'ai pas une seule minute à moi.
La demande est tellement forte que j'ai dû fixer des prix astronomiques. Qu'est-ce que articles en sol. Les affaires prospèrent en ce moment. Je peux pas l'attaquer, je peux rien faire. Si comme ça. Non mais quelle honte. Vous avez des mains de guerrière. Oui, vous êtes un garde, vous voulez pas vous occuper d'elle? Il y a un voyou devant votre nez. Comment ça va, Ils sont tous bourrés, de toute façon, même les gardes. J'attends vos ordres, madame. Bon, laissez tomber. Vous me fatiguez. Bon, au pire, Balek. Prenons des décisions. Voilà. Ça va bien 5 minutes, les conneries. Et tu veux qu'on aille au plus vieux quartier pour voir? Ah oui, on peut, si tu veux. Et voir ce que propose le mec, parce que ça se trouve c'est pas une quête de méchant. Hein. Voilà. Peut-être. Bon, il y a écrit meurtrier, mais... Oui, mais c'est peut-être qu'il veut se repentir, je sais pas. Ou alors il veut qu'on le tue. Ouais. Je peux pas acheter votre... Oula. C'est venu la propriété. Eh ben, acheter, louer. Eh ben tu peux maintenant. Ça ne fait rien. Mais quel enfer! Bon, on est reparti pour des achats. Achetons, achetons, achetons. Le nom de cette boutique. Bon, je pense qu'après ça, par contre... Pardon. Oh putain, je me sentais mal depuis tout à l'heure. Il n'y aura plus grand chose à acheter, disons. Oh, désolé, mais alors dès que je bois du coca, ou même du soda avec de la, des bulles en général. Oh. Oh, je me sens mieux là. Tu m'étonnes. Ah, au-dessus on peut pas, ok. Voilà, Mbapp, il n'y a plus rien qui bouge. Là je peux pas, là je peux. Eh ben, ça en fait de la bac. On a un succès en achetant tout. Oh, on sait rien, je suppose. Voilà. Ça me paraît plutôt bien. On répare. Parfait. Voyons voir cette quête de plus près. Vraiment, mais alors tous bourrés. Bonjour. Mais taisez-vous, oh, c'est bon. Fine. Bah alors. Je te vois là-bas. Ah, t'es bugué. T'es bugué. Non, c'est parce que... On va y arriver. J'arrive. Non. Enfin, je veux bien prendre les... De nouveaux articles sont disponibles à la boutique du sanctuaire. Quel beau marteau! Vous écraseriez vos ennemis avec panache avec une telle arme. Accepte-moi. Je t'accepte. On quitte ça. Hey.
garder. Je pensais que mon argent était remonté, mais faut que je viens d'acheter des trucs. Bah, oui. Okay. Vous essayez de vous faire ok, c'est du mal. Pour que tout le monde sache qui vous êtes... Bon, ta gueule. Ça suffit les conneries. Nous sommes des gens bien. Enfin, c'est une personne bien, elle. Moi. Wow. I am a good person, me. Alors par contre, le problème, c'est que vu le peu de quêtes, etc., qu'on a à faire à côté... Oula. Alors, attends, alors, oula. Bah, il va falloir attendre en mode on fout rien pendant un moment avant de pouvoir remplir la trésorerie. Oui. Samuel sera la voix de la ville et de ses érudits. River constituera le connard comme d'habitude. Vous pouvez parler. Parlez. Votre Majesté, c'est votre cher père qui avait ouvert les portes du plus haut lieu du savoir de l'Albion. Notre père, il est mort. Enfin, pardon. La connaissance et la culture étaient florissantes. Le peuple de notre belle ville, riche et prospère. Je vous demande seulement de rétablir la sagesse qui régnait à cette époque. Il est vrai que votre frère a fermé l'académie, mais il est de votre devoir de la rouvrir au plus vite. Je ne dis pas ce qu'on doit faire. Il n'y a pas de plus grand partisan des arts que moi, et j'encourage toutes les formes de connaissance. Mais pensez-y, le peuple est apeuré et confus. Le savoir est la dernière chose qu'il lui faut en ce moment. Offrez-leur le bénéfice de l'ignorance, votre majesté. Réservez l'académie le bénéfice de l'ignorance qui mérite d'y accéder. Seule l'élite de notre société paiera le prix de l'érudition à sa juste valeur. Mais c'est terrible! Seuls les riches auront les moyens d'apprendre. Exactement. Pourquoi offrir le savoir sans réfléchir alors qu'on peut le monnayer? Que souhaites-tu faire, ma reine? Je tiens ma promesse. L'académie de Braidwall sera ouverte à tous ceux qui badass, souhaitent c'est apprendre comme ça. Et moi qui décide. Et l'Albion disposera à nouveau d'un centre d'apprentissage gratuit. Attends, mais tout sera gratuit, je suis pas très d'accord. Hein. C'est pas grave, je fais un trafic de drogue. D'accord, je m'en occupe, votre majesté. Très bien. Stimulez votre intellect dans la nouvelle académie de Braidwall. Nourrissez-vous des savoirs des plus grands esprits qui ont jamais vécu dans l'Albion. En plus, vous pourrez profiter d'une bibliothèque incomparable, tant par la quantité des livres qu'elle recèle que par leur qualité. Des génies les plus pauvres aux idiots les plus riches. C'est ouvert à tout le monde. L'Académie de Braidwall, quoi que vous gagniez, vous pouvez étudier. Bravo! La cour convoque Page et River. Encore, comme d'habitude. Le cas d'aujourd'hui concerne le futur du lac de Bower. River va faire une proposition. Page constituera l'opposition. Vous pouvez parler. Votre Majesté, un examen récent du fond du lac de Bower a révélé qu'on y trouvait une quantité innombrable de métaux précieux. Même si demander aux mineurs de retenir leur souffle pour récolter ces métaux pourrait s'avérer fort divertissant, je crains que ce ne soit inconcevable en pratique. Nous n'avons pas d'autre choix, votre majesté. Nous devons ériger un barrage et drainer toute l'eau du lac. Dès que ce sera fait, nous disposerons d'une carrière toute prête à l'emploi pour le forage. Il est vraiment dommage de devoir défigurer un paysage si beau et auquel je tiens autant, mais au vu de la situation économique, il me semble clair. Les regards de Page. Le lac de Bower est l'une des dernières beautés naturelles qui reste à Bowerstone. Il fait partie de notre histoire et il devrait être protégé. Ne nous enlevez pas ça. Si vous le détruisez, c'est l'âme de Bowerstone que vous tueriez. Alors, je suis pour préserver la nature, mais alors l'âme de Bower, carrément. Vous n'allez tout de même pas détruire le seul endroit où ils connaissent la paix. C'est à toi que revient la décision, ma reine. Mais notre fille aime bien trop Slack. Page a raison. Oui, il y a des cadavres au fond. Absolument préserver nos ressources naturelles. Ainsi, le lac de Bower devra rester intact. Mais t'es tellement pâle, mais what the fuck. Je suis un vampire. Le lac de Bower est ainsi protégé sur ordre de la couronne. Merci.
Montrons au peuple que l'Albion vaut la peine d'être défendu. D'après vous, une jolie vue serait plus importante qu'un gisement d'or? Oui. Eh bien, Majesté, je m'incline devant votre grande sagesse. Ça te fait chier, hein? Ça te fait chier. Ça t'emmerde. Pour quelqu'un dont la maison donne une vue inégalable sur le lac de Bower, je suis fier aujourd'hui de classer officiellement ce superbe secteur en tant que zone protégée. Un dernier mot, que ces eaux puissent noyer tous ceux qui sont insensibles à son charme. À son charme. À son charme. Je suis sûr que votre dernière tâche sera des plus divertissantes. Une personne riche et loyale de notre communauté a fait un don conséquent à notre trésorerie. Quelle bonté! Mais sa seule condition est que vous alliez à Millfields pour récolter l'argent en personne. L'occasion idéale de vous dégourdir un peu les jambes, votre majesté. Oh, c'est mieux que ça. Eh bien, allons voir cette dame. Carte directe, non? Oui, c'est vrai, je pense pourquoi je m'emmerde. Melfold. Melfold. Magnifique lac. Un voleur. Oh bah oui, bien sûr, l'argent qu'on devait. Mais cette forêt est très dangereuse. Ce serait suicidaire de s'y rendre sans expérience du combat, entraînement ou compétence. Muriel, c'est le nom de ma tante. Et pas celle que j'aime bien. Je parlais de moi. Ah, laissez tomber. La pie. Votre majesté. Quel honneur de vous avoir ici. Si seulement le sort ne s'était pas acharné à me faire passer pour une idiote. Pendant ce temps, il y en a une au fond qui est en train de gerber sa race. À quoi va me servir cet objet dont j'ai hérité si on va tous mourir de je ne sais quelle horrible façon? J'avais sorti la statuette du coffre-fort familial pour qu'elle soit prête pour votre visite. Mais un voleur l'a embarquée en pleine journée. Vous arrivez à le croire, votre majesté? Non. Le voleur s'est enfui dans les bois, mais évidemment les soldats ont trop peur pour le poursuivre. Vous brûlez. Pourquoi les simples d'esprit sont-ils tellement superstitieux? Mais dites-moi... Vous n'avez pas peur, vous? J'ai surtout peur de votre coupe de cheveux. Trouvez ce brigand, votre majesté. Oui, là. Il ne s'agit pas que d'une simple statuette. Ce voleur emmène avec lui l'avenir du royaume. Bien sûr. L'avenir du royaume, c'est... Ça avait intérêt à ce que ça soit vraiment inestimable. Ça nous donnait 10 000 pièces. Les soldats sont peut-être superstitieux. Mais on le diamant nous a donné 700, alors. Peut-être que ça va nous donner 700 aussi. Bonne chance. J'ai toute confiance en vous. Ouais. Elle va nous donner 3 millions. Ce serait extraordinaire. Ce serait beaucoup trop simple aussi. Ouais. Non. Oh. MST. C'est vrai qu'on peut avoir des MST. Ah, oui, c'est vrai. J'allais dire pardon, si je me raconte. Quête. Bien. Revenez. Il y a une affiche que je peux pas lire du tout. Lire. D'accord, pardon. Lire. Vous cherchez la statue, votre majesté? Suivez la balverine blanche. Je sais pas ce qu'est une balverine. Quoi, trésor? Où ça? Quoi? Vas-y, montre. Montrez-moi. Mais non, mais c'est comme la dernière fois, ils disent qu'il y a un trésor et il n'y a rien. Bah viens, lâche. C'est quoi la balverine? Mais c'est le loup-garou. Ils appellent ça une balverine dans le jeu. Ah bon. C'est Wolverine qui bave. Balverine. Chut. Dans le lac, moi. Vraiment que ça fout.
Quel enfer. Bien sale monstre. Prépare-toi à mon... Oh, désolé. L'espace d'un instant, je vous ai prise pour une balverine. Ces saloperies essaient sans cesse de percer nos défenses. Nous faisons brûler du nitrate d'argent dans ces lampes pour les éloigner. Ça les tue assez vite si elles traînent par ici trop longtemps. Une lampe s'éteint. Bien, je préfère ne pas imaginer ce qui pourrait arriver. Une s'est éteinte dernièrement, mais on l'a vite rallumée. Le responsable, un certain Connor, a été puni. Sévèrement. Avant de disparaître dans la forêt, il nous a dit qu'il ferait ses calculs. Il est probablement éparpillé dans 25 estomacs différents à l'heure qu'il est. Voilà mon calcul. Vous pouvez tous sortir. L'endroit est sûr. Madame. J'arrive plus à le faire, j'avais bien fait. Ouais, mais là c'est parti. Ça va te défoncer à la voix surtout. Ouais. Bah. C'est vous ? Qui êtes-vous ? Ah ! Tout va bien. Vous avez traversé le village, pas vrai ? Charmant hameau, rempli de gens chaleureux et formidables qui ont le cœur sur la main, et qui vous condamnent aussi à mort à la moindre erreur. Tout le monde peut s'endormir en montant la garde. Vous l'exilez dans la forêt et appelez ça de la justice. Mais assez parlé de ça. Vous êtes ici pour cette statue. Une œuvre tout à fait remarquable. Elle a bien fait tout ce que racontent les légendes à son sujet. Et je n'en ai plus besoin. C'est amusant comme les choses peuvent changer. Si vous voulez la ramener à ce Christ de Mille Fields, elle est à vous. Je vous la donne. Je ne vous demanderai qu'un petit service. Détruisez ces lanternes au nitrate d'argent. Alors le village comprendra ce qu'est la justice. Non. Le choix vous appartient. Et il est des plus simples. À quel point ? Eh bien, si vous me refusez ce service, mes frères vous régleront votre compte. Je défendrai le village. Bon, je suppose que c'était sûrement trop demandé. Toutefois, votre choix ne sauvera pas le village. Maintenant que je suis le chef de la bande, l'intelligence vient renforcer nos muscles. On perdra quelques membres parmi les plus faibles, mais on s'occupera nous-mêmes de ces lanternes. Entre-temps, vous tuer sera un bon moyen de, comment dire, faire couler le sang à flot. Balles, c'est stylé. Oh, j'ai un coup de barre. Ah, j'ai une folle envie de pisser. Pas les mêmes choses, mais... Non, arrêtez de taper l'autre. Fuyez. Si on n'avait pas compris au bout de la 25e fois. Thank you.
quoi. Voilà. Vas-y, ok. Je veux bien, mais. Ah. Je veux dire, mes coups ont l'air de rien lui faire. Mais... Mes couilles. Ah, j'entends un lutin. Un nain. Vous nous avez sauvés d'une destruction certaine. Ah. Toujours la bienvenue. Connor avait ça sur lui. Derrière. On dirait une balverine. Elle est à vous si vous le voulez. Merci. La blanche. Là. L'époque où je voulais me faire crever les yeux pour ne plus voir. Bon. Et ben on va pouvoir retourner à Missouri. Je n'ai pas le hockey en même temps, alors ça m'a saoulé de finir ma phrase instantanément. Vous revoilà. Vous avez attrapé le voleur. Vous avez retrouvé la statuette. Oui. Bien sûr qu'elle a réussi. C'est la reine. Elle est donc infaillible. Si vous voulez bien me donner la statue, votre majesté, je ferai de mon mieux pour l'estimer. Vous l'avez trouvée. Oh, je peux difficilement retenir mes larmes. Pardonnez-moi, majesté, mais je ne supporte pas l'idée que vous me voyez dans un tel état. Et je vous en prie, faites en bon usage. C'est encore plus moche de près. Surtout rester de loin. Pourquoi il part toujours être aussi mélodramatique. Quant à ce petit objet, on dirait qu'il a autant de valeur que ce que j'espère. Ouais, ça, ouais. Les bénéfices seront un complément plus que bienvenu pour la trésorerie. Ah, ah, trésorerie direct. À moins que, bien entendu... Eh bien, la statue vous appartient maintenant, on ne peut pas dire le contraire. Peut-être que vous préférez garder la recette de sa vente pour vous et en faire ce que vous voulez. Que voulez-vous faire, ma reine? Un geste tout à fait magnanime, si vous me demandez mon avis. Très jeune, je ne vous demande pas votre avis. Si ma maman est nulle. Je préférerais qu'elle parte. T'assure? La violence de ces mots. Waouh. Ma maman est nulle. Je préférerais qu'elle parte. Waouh. Alors, on était dans une scène totalement normale pour nous, et puis lui est arrivé, il nous a dit ça. Non seulement j'avais sauvé un village tout entier des balverines, je vais dire des balivernes, mais votre générosité a également permis d'accroître la sécurité du peuple d'Albion. Comme dit papa, la grosse dame. Il avait vraiment besoin de terminer sa phrase. Comme dit papa, la grosse dinde. J'en peux plus. Avec l'attaque fatidique qui nous guette au tournant, c'est plutôt décourageant de voir que la trésorerie se porte. Oh, ta gueule. Il faudra qu'on s'arme de courage face aux choix difficiles à venir si on veut avoir une chance de survivre. Sur le premier point à l'ordre du jour aujourd'hui, vous avez sûrement entendu parler de la situation désastreuse dans laquelle se trouve l'économie du royaume. À cause des pratiques de Logan, nos villes ont toujours été au bord de la faillite. Maintenant, la panique causée par les ténèbres approchant à grands pas n'a fait qu'aggraver la situation. Je crains que le seul moyen d'arrêter notre dérive vers la ruine soit de renflouer les institutions financières de Bowerstone. Les gens comptent sur vous pour les sauver d'une catastrophe économique, mais rappelez-vous qu'en agissant ainsi, vous risquez de les condamner à un sort encore plus sombre et plus sanglant. Que devons-nous faire, votre majesté? Mais c'est ma foi bien simple, on va renflouer l'économie. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de faire, on va tout reperdre juste pour ça. Généreuse, majesté. Très bien, je vais prendre les dispositions nécessaires. D'accord, la vie sera plus facile pour vos sujets pendant un moment, mais vous devez être conscient que la trésorerie ne s'en remettra pas. Mais on va être riche, t'inquiète. J'espère simplement que nous n'avons pas gâché nos chances de survie. Bien sûr, si vous le vouliez vraiment, vous pourriez renflouer nos réserves d'or en donnant une partie de vos fonds personnels. Devons-nous poursuivre l'ordre du jour? La position de construire un avant-poste militaire, décider de l'avenir de Mythpic et commander l'armée d'Albion. Voir peut-être qu'on renfloue l'armée avant de faire le troisième truc, non? Kayleen, la représentante du peuple. Tu veux qu'on attende? Non, on peut faire les deux premiers, mais peut-être pas le troisième direct. La cour attend dans la salle du trône. Ah, mais je sais pas si ça va se faire tout de suite. Attends.
Déjà, première chose, vérification de l'argent personnel. Vous avez non, envie faut, de je pense que c'est 1 million qu'il faut. Ben là, je suis à 820, 1 264 000. C'est pas possible. Seul personnel, ça me dit 1 million. Comment ça, je suis qu'à 800 des poussières, on c'est censé être partagé. Mais je ne sais pas moi. Ça me pose aussi... Pourquoi budget familial moins 13. Comment ça? On n'a pas de. Bah vérifie ton compte à toi. Vous avez envie de bon peut-être qu'il faut 2 millions alors. Ah oui non 1 million t'as raison pardon. Ouais tu vois. Non, je... On va attendre. On peut attendre maintenant. Au pire. Il fallait autre chose. Tu veux faire au moins les premières décisions. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? J'ai appuyé alors que j'étais pas à côté, mais ok. C'est peut-être moi, ça va. À vos ordres. Qu'est-ce que. Sauvegarde automatique. Ah, notre fille! Ouh! Ah. La petite! Toujours reçu le toujours pas un... Ah, notre enfant d'ailleurs! Ah oui, le gosse! Notre autre enfant! On l'oublie! Popol! Popol! Popol. Toujours un bébé, Popol. Deuxième interaction avec Popol. Après plusieurs mois, ne plus être là. Oh, il est vrai. Oh mon Dieu, il est moche. Oh, cette tronche, quel enfer. Mais c'est le diable. Il va être pire que sa sœur. Non, rigole pas, c'est pire. Je vais tuer tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qui doit décider du niveau de protection accordé à Total. Kaylin va faire une Total et absolu. River constituera l'opposition. Comme d'hab. Vous pouvez parler. Causez, vas-y. Votre Majesté, comme vous le savez. La menace venant du désert et qui pèse sur ma ville est toujours bien présente. Désormais, les ténèbres pourraient s'abattre sur nous d'un moment à l'autre. Aurora fait désormais partie de votre royaume. Et je vous demande de nous accorder votre protection. Construisez un avant-poste dans le désert pour prévenir mon peuple si le tortureur venait à attaquer. Ainsi, il nous sera possible de quitter la ville avant qu'elle ne soit assiégée. Et la survie de vos loyaux sujets s'en trouvera assurée. Un avant-poste dans le désert, voilà une belle sottise. Et puis quoi après? Que devrons-nous faire? Des tavernes sous-marines? Des champs tout en haut des montagnes? Cette suggestion n'a aucun sens, votre majesté. Je ne vois vraiment pas pourquoi nos vaillants soldats iraient souffrir sous le soleil écrasant d'une région lointaine, alors qu'il y a déjà tant à protéger à Power Stone. Parce qu'on leur demande. Vous trouvez vraiment nécessaire de risquer la vie de nos hommes braves et loyaux, tout simplement pour mettre en place un système d'alarme? Bien sûr que non, votre majesté. Laissons nos fonds et nos soldats à leur place, en Albion. Les ténèbres constituent une menace contre nous tous. Mais Aurora a déjà souffert plus que de raison. La décision finale t'appartient, ma reine. Mec, j'ai envie de dire, est-ce que tu trouves ça nécessaire que tu sois toujours vivant, en gros? De manière générale. Aurora est sous notre protection. Il est de notre devoir de construire cet avant-poste. La décision de la reine est sans appel. Un avant-poste militaire sera érigé dans les déserts qui entourent Aurora. C'est ton niveau de bonté qui te rend pas comme ça, ce maquillage? Non, c'est le niveau de bonté, je pense. Reconnaissante. Ah, vous êtes une monarque surprenante. C'est pour cela que les gens vous aiment tant. On sera fait comme vous le désirez. Les industries River se feront un plaisir de vous présenter une histoire exotique où se mêlent la romance, les aventures et le sable. L'avant-poste du désert. D'accord.
Et bon, il n'y a aucun effort de fait, là. Faites entrer, Savin, des gitans de Mist Peak. Ah, oui. Eh oui. Aujourd'hui, tu décides du sort de Mist Peak, le pays des gitans, ma reine. Savin sera la voix de son peuple et de son pays. River, toujours River, il y a vraiment. Mais c'est toujours lui. Je viens ici pour requérir rien de moins que ce que vous nous avez promis. Et encore, c'est pas lui qui voulait faire la décoration du château. Ouais, à nous rendre nos montagnes et à nous laisser y vivre en paix. Nous avons rempli notre part du marché. Nous avons donné nos propres vies pour vous asseoir sur le trône. Maintenant, honorez votre promesse. Réparez les dommages que votre frère a fait sur nos terres et notre marché sera honoré. Votre Majesté, ce serait une action irréfléchie et surtout qui entraînerait des coups inutiles. Vraiment, quelle valeur peut-on trouver à quelques arbres éparpillés entre la neige et les rochers? Ce n'est pas le moment de s'engager dans ce genre de fantaisie, Votre Majesté. Ces forêts sont une ressource précieuse que nous ne pouvons sûrement pas abandonner. Je propose que nous suivions l'initiative de votre frère. Il nous faut prendre ce que Mère Nature nous offre. Faites-moi signe, Majesté, et j'exploiterai les misérables terres de Mist Peak pour faire quelque chose d'utile. Permettez-moi de l'utiliser pour assurer la défense de l'Albion. Attention, River. Malgré mon âge, je peux encore facilement vous tendre le cou et vous réduire en miettes. La fameuse répartie des vrais barbares des montagnes. Du calme, vous deux. Tu as fait une promesse à Savin, mais c'est à toi de décider si tu veux l'honorer. Mais je tiens ma promesse. Je tiendrai la promesse faite aux gitans. Les montagnes de Mist Peak seront restituées. Mist Peak deviendra une région protégée et les gitans bénéficieront de l'autorité sur ses forêts et ses ressources. Vous êtes fidèles à vos mots et à votre honneur. Les gitans seront toujours là pour vous. D'accord. Comme vous le savez tous, les forêts de Mist Peak seront notre bien le plus précieux. Et bien maintenant, grâce aux industries River, elles ont retrouvé toute leur splendeur initiale. Maintenant, leurs autochtones, leur faune et leur flore peuvent aujourd'hui naître, se développer et s'entretuer comme Mère Nature l'entend. Et puis qui aurait besoin de tout ce bois de toute façon? De toute façon... Ah, j'ai réussi à le faire! C'est que quand j'essaie de l'imiter que j'arrive à le faire. Là, tu vois, là, j'y arrive plus. C'est situationnel. Majesté. Tenez, prenez ceci en bonjour hommage à la grandeur de votre règne. Bon, on va attendre du coup que l'argent. Votre Altesse. Ça va être un peu longuet, désolé d'avance. Je vais me mettre par là. C'est ainsi. Hein. Allons vers notre enfant. L'enfant. L'enfant d'abord. Et elle est où le gosse? Je sais pas. Je suis perdu. Where is the mom? La nounou. Pas me qu'on change de nounou parce que elle. Ah. Le... Bon. Une belle enfant. Oh là, le chien. Oula, oula. Du calme. Non. Le toutou, ça suffit. Du calme, crapule. Le temps que tu t'occupes de l'enfant, je vais pipi. Ouh. D'accord. On va s'occuper de notre enfant. On veut que l'une de l'enfant. Bon, oui. Oh là là. Fais dodo, petit monstre. Fais dodo. Pour pas exterminer tout le monde. Vous savez être agréable à vos sujets, votre Altesse. Non, ta gueule, agréable. Je vais être agréable avec ton cul, tu vas voir. Hey! M'aime bien Popol. Un câlin, beau oui, va faire un câlin avec ton papa. Beau oui. Beau te moche, beau oui te moche. Mais c'est pas grave, on t'aime quand même. T'es comme maman! Quand maman. Ah ouais, hein. Alors, je prenais l'enfant dans mes bras, j'ai oh, t'es moche, mais oui, t'es moche, mais on t'aime quand même, c'est comme maman. Je l'ai, va. Salaud. Vous savez être agréable à vos sujets, votre Altesse. Oh, mais ta gueule. Tiens, regarde. Alors, où est-ce que vous m'emmenez? Au bûcher. Tu m'emmènes où?
Je vais l'emmener voir Hobson. Hobson. J'ai quelqu'un pour les gens parlent en homme. Ouais. Juste... Dans ta partie, tu pourras. Bonjour. Je l'emmène. Bonjour, majesté. On va s'asseoir, vous et moi, ici. Ah, d'accord. D'accord. J'accepte mon sort, écoutez. Nous y voilà. J'ai pas de... Qu'est-ce que t'arrives pas à faire? J'ai toujours rêvé de vivre dans une maison comme la nôtre. Attention, tu vas te rebugger encore. Oula. Vous savez être agréable à vos sujets, votre alteresse. Tu me vois bouger? Oui. Ah. Ça va être un peu longuet. Ouais, c'est comme ça. Ça. Oh. J'ai hâte de pouvoir continuer Sense8 avec Zach. Là, on a fini la saison 1. On va passer à la saison 2. J'adore cette série. Non, moi, il n'y a pas mieux. Hein. J'arrive pas à trouver mieux. Et juste oh, prophète. Oui. J'ai regardé un film. Alors, je l'ai regardé toute seule, puis après, je l'ai regardé avec Aya. Mais je pense que ça peut être un film qui t'intéressera aussi, certainement. La fille avec le drame. Ouais, tu l'as déjà vu. Ouais, bah, je voulais le regarder avec toi, en fait, de base. Et tu l'as regardé tout seul ou bah non, je l'ai pas regardé, moi je t'ai attendu, je me suis dit qu'on allait le regarder ensemble. Mais on le regardera ensemble quand même, moi j'ai envie de le c'est comme si je l'avais vu mille fois. Il est bien, en vrai j'aime beaucoup. Et le chara-design du dragon, je le trouve vraiment très stylé. Même si, alors, je te spoil entre guillemets, mais tu verras pas l'entièreté du dragon avant la dizaine de pourcents restants du film. Ouais, je vois. Voilà, c'est un petit peu en mode, oui, il y a un dragon, mais vous savez pas exactement à quoi il ressemble, mais il est là, voilà. Par contre, sa voix, tu vas aimer sa voix, je pense. Ah oui. Ouais. Il y a une autre série, qui est sur Netflix, que j'ai mis dans ma liste, que j'ai pas regardé, qui a l'air bien, qui s'appelle Fury. C'est... Toi, tu restes ici. En quête de vengeance après la mort de son père, une jeune femme se retrouve prise dans la toile de la furie, gardienne de l'ordre au sein du crime organisé parisien. Mais c'est une série française. T'es avec le film. D'accord. Non, c'est... Oui, pour voir. Après, on a... la musique derrière. Oula. Mais ouais. Par la puissance des flammes. Il y a des films que j'ai regardé aussi qui est sympa, mais pas trop en attendre non plus. C'est je crois que ça s'appelle Sacrée Sorcière, un truc genre. Ah, c'est bien rien ça. Qui est aussi sur Netflix. En gros, le topo du film, c'est il y a un petit garçon et sa grand-mère qui vont devoir combattre des sorcières méchantes. Ah. C'est un peu un film familial, enfant, un petit peu enfant quand même, parce qu'il y a certaines scènes, t'es en mode « Ouais, bon !» On a compris, c'est pour les gosses, mais c'est quand qu'elle sort, la série Fallout, elle a pas déjà commencé? Ben je sais pas, à chaque fois j'ai plein de news en mode ouais la série Fallout va pas tarder à sortir, donc je suppose que c'est bon. Je crois que c'était sortir. Fin mars, non? Possible. Ah, il y a un autre truc qu'il faudra qu'on continue, sauf si tu l'as déjà fini tout seul dans ton coin. De quoi donc? Wakfu. Ah oui, c'est vrai. Non, je peux du tout regarder mon coin. On l'a complètement zappé, c'est ben vrai. Faudra qu'on le continue aussi. Attends, si je mets que série Fallout, elle est où la série Fallout que je veux voir là? Bah alors, je l'ai pas dans ma liste. Ah si, là dans mes yeux. Bah ben non, c'est toujours pas sorti. On sait pas quand ça sort. Je sais pas. Ça m'intéresse, moi. Bah tu m'étonnes. Bah surtout qu'elle a l'air relativement bien. Bah ouais. Date de sortie. 12 avril. J'ai vu un autre truc d'une annonce. Attends, quoi, 12 avril 2024? Mais on a le temps.
Je crois que j'ai vu une autre annonce d'une sortie de quelque chose en adaptation, mais je sais plus. Enfin, sortie, pas encore sortie, mais qui vont adapter. Mais je sais plus c'est quoi le nom. Il y a une série Halo, ça existe? Probablement, oui. Bon, ça, il y a une série Dragon Age aussi. Alors, Série mais il y TV a des séries Halo? d'un Ah peu tout. ouais. Après, faut voir, des fois, tu as les séries un peu animées, etc. Non, là Elles sont pas trop c'est mal des live fois. action apparemment. Oh, d'accord. Et qui est sorti en 2022. En 2022, il y a 2 saisons de sortie. D'accord. Bah, ok. Ça se voit où? Amazon Prime. Ah bon? Genre, il y a Halo sur Amazon Prime. Vous foutez de ma gueule là. Je ne suis pas au Ah courant du ouais? tout. Ah ouais, mais bien sûr, il faut Paramount Plus. Bah, Ah oui, c'est pas assez, je me disais évidemment. aussi que c'était trop simple. Non, pas adoption, adaptation, jeu vidéo, au cinéma. Oui, non, mais ça, d'accord, mais j'avais vu une news. Putain, c'était quoi? Futur, mais c'est peut-être si je mets future adaptation. Future adaptation. Non, toujours pas. Ça me casse bien les coucougnettes. The coucougnette. Les futurs films. Hein. Sonic 3. Ah, il y aura une suite encore à Sonic? Ah ouais? Apparemment. Tant mieux, j'ai bien aimé le tour. Ça y est, je me souviens. C'est quoi? Minecraft. Ah oui, c'est vrai! Ils vont en Mais faire je un suis en mode. film! Mais vous voulez faire quoi comme Non, film avec mais j'ai Minecraft? vu ça, j'étais en mode ça a l'air d'être la pire idée du monde, vraiment! J'ai Oh. peur, hein. Ah ouais, non, mais Je c'est. vois Faut pas ce que pas. vous voulez faire avec Minecraft comme film, tu Ah, vois. faut pas. Déjà Genre. que. Déjà que la série Borderlands, franchement, ça me fait peur. C'est pas une série, c'est un film. Film, pardon. Oui, je sais pas si c'est mieux, honnêtement. Oui. Film, série, dans tous les Je cas, vais ça quand me même fait le peur. regarder parce que c'est important de se cultiver une chaîne. Ouais, oui, on peut dire ça. Ouais. Il y a Tomb Raider qui aura une suite aussi. Ça, c'est bien, j'aime bien tomber d'ailleurs. Oui, la dernière version qui était sortie était pas trop mal en vrai. En effet. C'est pas le film de l'année, mais ça se Arcane, ça regardait. sert quand que ça continue? Ah, ça, je sais pas. Arcane, saison 2. Apparemment, il y aura peut-être une série BioShock aussi. Je regarde ça, Disponible en c'est sur novembre Sens Critique, hein. Je 2024 sais pour pas si c'est un Arcane. bon site pour savoir les trucs, mais. C'est quoi, je regarde là-dedans? Ah, voilà. Minecraft, ce sera en 2025. Oh, on a le temps. Tomb Raider, il n'y a pas de date pour l'instant. Sonic 3. Ghost of Tsushima, il y aura un truc. Ah BioShock, ce sera en non! Oh, 2024. faut arrêter. Pourquoi faire Ghost of Tsushima en série ou en film? Le jeu en lui-même est quasiment une série ou un film en fait. Pourquoi vous allez en Oui, faire un? mais je te dis BioShock. Ah, BioShock, ça par contre, ça m'intéresse. 2024, ça peut être intéressant. Attends, Ah! 2024? Sérieux? Cette année? Ça me Ok. donne envie. Film de Francis Lawrence. Je sais pas, tous les producteurs, les réalisateurs et tout ce que vous voulez. Les légendaires. Hot Wheels. Quoi? Oh non. J'adore la notation de la personne. Annotation de la personne. Il y a moyen que ce soit stylé s'ils font un genre de speed racer mixé à du Cars. Ouais, faut voir quoi. Ouais. Speed Racer, oui, Cars, Oh! je suis désolé de Cars, c'est pas Pokémon ouf. Détective Pikachu 2, potentiellement. Ah! Ça peut être bien. Assassin's Creed 2. Ouais, alors. Vu la gueule du Mais 1, attends, ça n'a j'ai pas aucun aimé, sens, personnellement. Détective Pikachu 2, vu que le Pikachu détective, en fait, c'était son père. Oui, mais peut-être que ça va être autre chose cette fois, tu vois. Ouais, enfin, l'intérêt de Détective Pikachu, c'était qu'il y avait un Pikachu qui parlait, quoi, je pense. Mais enfin, bon. Metal Gear Solid. Ouais, il y a un long pavé. Sly Cooper! Attends, hein, qu'est-ce que c'est la notation? Qu'est-ce qu'il a Sérieux? dit? D'abord annulé, puis réimaginé au format série, puis réannulé. Avec tout le travail effectué, l'argent investi, je ne peux qu'imaginer un retour concret que le lancement du programme PlayStation Pro. Ah non, mais c'est imaginé, c'est même pas sûr en fin de compte. Si. Ce serait stylé. Par contre, en animation, s'il vous plaît. Ah oui, non, faites pas du réel, hein. Va falloir arrêter avec ça. C'est pas une Il y bonne aurait peut-être idée en une vrai. suite à Warcraft. Ah, bah il était temps, depuis le temps. Vu qu'il l'avait On annulé la sait pas. suite.
De ce que j'ai pigé, une suite est bien prévue, mais ne sortirait qu'en Chine, car c'est le seul pays où ce premier film a cartonné. Ah bon? C'est de la merde, du coup, quel est l'intérêt? Je vois pas, je sais pas. Après, c'est... j'ai trouvé ça sur Sens Critique, je sais pas si c'est... hein. Ouais, je m'étonnerais, hein, parce que je crois que Warcraft, il comptait pas faire de suite. Hein. Portal? Portal, ça peut être intéressant. Ah, ça peut être bien. Même si... ouais, faut voir. Si, en vrai, ça peut être bien. Ouais, mais franchement, Borderlands, je sens qu'on va regarder Borderlands. Et tu sais, on va être silencieux. Et en fait, on sera tous les deux en train de grimacer en mode... Ah. Et peut-être va y avoir de bonnes surprises, tu vois. Pff, oui, genre, peut-être. Pour l'instant, le trailer me donne pas particulièrement envie, on va pas se mentir, tu vois. Mais, il peut y avoir des trucs sympas dans le monde. Ouais. Ouais. Faut voir. On a combien d'argent? 112 000, je crois. Ça de nouveaux articles sont disponibles à la boutique du comment sanctuaire. Comment ça? Je refuse. 1 175 000. Ouais, voilà. Ça va être long, hein. Ouais, mais bon, on n'a pas trop le choix, en fait. Bah, au pire, une option, c'est qu'on arrête là pour ce soir, et hors stream, on garde le jeu ouvert hors pour stream, que ça accumule. Ouais. Parce que si ouais. On attend en stream, attends, faut plus de 6 millions, Shiva. Ça va prendre des heures. Des heures. Ouais, mais c'est chiant. Bah ouais, mais bon, pas le choix. Hein. Arrêtons là, au pire. Allons voir notre fille, si on peut. On va voir si elle est pas encore en train de faire des conneries, d'utiliser sa magie en public. On lui a déjà dit qu'il fallait pas. Elle est où? Shifty! Attention, hein, si t'es encore en train d'utiliser de la magie noire en public, je vais m'énerver! Elle est où cette gosse? Peut-être aller voir son frère pour le martyriser? Là, c'est pas elle? Non. Bah, va voir en haut, je vais voir en bas. Ah, bah, elle est là! Ah, bah, tu vas peut toujours un peu, on peut toujours pas interagir avec elle. Non, mais ça a bugué. Quel bonheur de te revoir! Elle veut plus te revoir! Quel bonheur de te revoir! Oui, moi aussi, je t'aime, ma fille. T'es pas en train de torturer qui que ce soit, hein? Mon dieu, ce que t'es dégueulasse. C'est la grande dirigeante. Bonjour. 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 Bon oui, on laissera tourner en stream. On est d'accord que les servantes... Je sais pas, la façon dont elles sont habillées, je trouve ça très... très limite. Ouais, bon. De face, ça va. Je sais pas, non, je vois pas trop le problème. Oui, bah non, ça c'est sûr, elles sont égales. Bon, bon dégagez tous. Cassez-vous, vous nous saoulez. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc on arrête pour ce soir, même oui. Si on a terminé un peu plus tôt, mais il n'y a plus rien à foutre. Bah là, oui, on va attendre que l'argent l'argent s'accumule, puis let's go. Hein. Ouais, on va laisser en fond, et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, personnellement, à titre personnel, je vous retrouve demain soir pour commencer Sherlock Holmes. Oui, voilà. Moi je sais plus. Bah, moi je vous retrouve, j'allais dire jeudi, mais jeudi tu fais quoi? On fait quoi? Y'a rien jeudi ici? Jeudi soir, j'avais prévu de faire une session de Gunfire Reborn solo, mais après... Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bah, on se retrouve samedi, 1h du mat pour moi, si je ne me cours pas. Voilà. Voilà. Peut-être ouais, que je ferai des trucs entre temps. Je sais pas, on verra. Vous verrez. Hein. Écoutez, merde. Oui. Bon. Oui, bah du coup, des bisous, et puis je vous dis à demain. Bye bye. Bye.